Ouah, bonjour à tous, c'est Zorakbos et on se retrouve pour le site de notre aventure sur Pokémon X. Et oui, la 6G, dans la dernière session, nous avions débloqué la Mega Evolution avec Mega Lucario et récupéré le troisième badge d'arène. On va s'en aller maintenant pour la quatrième arène, l'arène de type plante ou insecte, je crois. Je ne dis pas de merde, en espérant que cette session se passe mieux que la dernière, évidemment. Et je m'excuse encore pour le petit crash qu'il y a eu lors du dernier live. Mako a décidé de m'enculer ma rhum, ce qui fait que bah, ça a un peu terminé la mauvaise, un peu mal la dernière session. Ça a eu 5 cuves plantes, voilà, merci. On y va tout de suite, c'est parti, j'espère que vous êtes déter comme d'habitude, parce que moi je le suis, on y va, let's go. Bonjour, bonjour, salut Gribbles. Salut 7-7. Cher voisin, je pense que ceci pourrait être utile. Surf, bon, d'accord, merci. J'avoue, ça peut être utile, ouais. C'est pas mal, pas mal, j'aime l'idée. Grâce à la capacité secrète Surf, tu peux te déplacer sur l'eau. Depuis ton arrivée à Kalos, nous avons pu voyager ensemble. En y réfléchissant, c'est tellement extraordinaire, je me demande si ce n'est pas le destin. Ok. Par contre, si j'ai besoin de Surf... Ah ça, j'ai des Pokémon qui peuvent l'apprendre. On va le mettre à Chevroom, hein. S'il faut, on la désapprendra plus tard. Pause de synthèse. Excusez-moi. Reblastoir. Quand vous allez les mecs depuis tout à l'heure. Vous avez pour le fail, hein. C'est Mako, elle a décidé de faire... Je sais pas ce que c'est la connexion. C'est Phoenix. Putain, mais c'est vrai qu'il y a un low class ici. Pourquoi j'ai appris ça à Chevroom? Bon, c'est pas grave. On s'en fout. Ok, c'est parti. J'ai dit qu'il faut traverser la mer. Ah! Je me suis embarqué dans un voyage sans fin pour échapper aux vicissitudes. Aux vicissitudes, oui, c'est bien ce que j'avais dit, de la vie moderne. Ok. Salut frère Yu-Gi-Oh! De France, comment tu vas? Oh, Diff YouTube va être drôle pour des Bessie Rose. Bah, tu me vois juste en train de péter un câble en disant What the fuck, Switch, c'est bordel! Et après dire Ah non, en fait, c'est juste ma connexion qui a des verres. Mais attends, bah tranquille, tranquille. Salut Ryotsuko, c'est sur Citra. Je suis sur Citra, évidemment. Évidemment, évidemment. Choc Psy! Ok, midlife. Lance-boue. Fait ses attaques de type électrique. Je suis pas sûr que je sois un Pokémon électrique, mon cher, mais c'est pas grave. Nitro-charge, stabé, normalement ça kill. Ça kill pas du tout, c'est pas grave. Salut Joho, comment tu vas? Coup de boule. Ouh, le petit dégât. En terrain, ça va, on kill. Let's go! Première victoire de la soirée. Bien et toi, bah, tranquille, tranquille. Et comment bien commencer une session directement avec l'évolution de Nevilius? Je pense que je vais commencer à regarder tes lives, vu tes vidéos. Merci, ça fait plaisir. Tu joues sur quoi? Je joue sur Citra, mon cher ami Axel Blaze. Oh, le feu ensorcelé à... Bah, à la place de Flamèche, hein. La vie, hein. La vie à la place de Flamèche, nul à chier, hein. Connais qu'aluminium. Ça me dit rien. Ah putain, c'est le ranch ici. Bon, ça sert à rien, mais c'est le ranch quand même. Ah, faut y aller. Les cabrioles, c'est les cabrioles. Il y a un truc à récupérer là-bas. Je suis descendu par là, peut-être qu'il y a un truc à récupérer, on sait pas. Tu connais pas le brindibougang de Kalu? Je suis désolé, je ne connais pas. Oh merde, putain, je me fais agra là. Je suis très proche de mes Pokémon. Je vais te montrer la puissance de notre lien. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Ah d'accord, d'accord. Oh, smash.
Maïmata là. C'est Viper. Tu peux chevaucher les cabriolets, I know. Choc psy. J'avais joué à Pokémon X et Y, c'est bien le moment de regarder. Regardez tes lives. Pokémon X et Y, incroyable les gars. Pour ceux qui n'ont pas joué, vous avez raté quelque chose. Rhinopharyngite level 26, let's go. Et crémeux. J'ai plus d'attaque de type combat maintenant, je crois. Hein, vu que j'ai retiré. Si, j'ai Rhinopharyngite. Et il a double pied, let's go. Vas-y, Rhinopharyngite. Si jamais tu cherches de l'animation Pokémon, je te conseille Neptunio, qui a une excellente parodie de Pokémon noir et blanc. Ah, je verrai. Toujours Pokémon XY normal, juste pour finir le jeu. Exactement. On fait d'abord tous les jeux en normal, le but de finir le marathon. Ensuite, on fera tous les Pokémon Ranger, Pokémon Donjon Mystère. Et ensuite, quand on aura fait tout ça, on partira sur d'autres jeux. Et on fera des ROM hack et après des défis. Par contre, ouais, c'est mon gars qui a pas d'attaque ou c'est lui qui a trop de def? Nani? On va envoyer du Rundaru. Pas pouvoir rester. Pas de soucis, frère. T'inquiète. Quête au premier jeu Pokémon. Pokémon Argent sur Nintendo. Sur Game Boy. Comment ça s'appelle? Game Boy. SP, pardon. Quand on va pouvoir y jouer à X et Y, j'ai jamais pu. Ah, il est tellement bien, les gars. Faut le faire. Non, sur SP, pas Color. Merci pour les jamais la main, frère. Frère de Yu-Gi-Oh! Ça va être à celui qui va le tuer le plus vite. Vas-y, Durendal. Je veux pas rater une roulade un jour ou ça va tranquille? Non, Durendal a perdu. Oh, l'épée a perdu contre la vache. Putain, l'histoire incroyable. Mais putain, mais oui, attaque combat. J'ai Lucario. Mais quel con. Oh, j'ai Alzheimer. Oh les gars, j'ai Alzheimer. C'est pas grave. J'ai Alzheimer doublé de connard. Ça marche. Hop, tu dégages, voilà. Voilà. Ça a pas connecté là-haut. Désolé. Ah putain. Oh, l'XP pas mal par contre. Tu fais quoi comme jeu Pokémon depuis pour l'instant le marathon? On a fait Pokémon X et Y, voilà qu'on est en train de faire X. On a fait Saphir Alpha. On a fait Noir et Blanc 1. Merci Angel pour le raid à 12 personnes! Incroyable! Ça fait plaisir. Juste Ice Heal parce que je fais de la merde, mais ça c'est pas nouveau, hein. c'est comme ça tout le temps. Donc je disais, Code of Doctor, non c'est pas ça. On a fait Noir et Blanc, Saphir Alpha, on a fait Diamant Étincelant, là on fait Pokémon X, et ensuite on fera un Pokémon que vous choisirez dans la communauté, évidemment à la fin du stream. C'est comme ça que ça se passe la vie. Salut le Dotman, comment tu vas? Et salut à tous ceux qui viennent de la chaîne de notre shell Angel Absol. Le Gout de Twitch, évidemment. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne, incroyable. Il fait du contenu de ouf. C'est quoi le jeu Pokémon X, mon cher M124? Ça va bien, bah tant mieux, Ludoman. Oh, par contre, je sais plus du tout par où il faut aller dans cette zone de merde, là. Cette zone de merde, de cul, là. Carte, faut aller où? Ah, faut juste aller à droite, quoi. Porte en paire, ok. Oh. Et vous le marathon, ça donne quoi? Ça avance, tranquille. Allez, on monte la team quand même. Pour ceux qui veulent voir la team, Neuvilius, le Couplin, Petit Ranidur qu'on a oublié de renommer, le Petit Ranidur du coup, Durandaru, le Mot d'Or parle, Rhinopharyngite, le Nidoking, Zogoth, le Chevroom, Aaron, le Lucario, évidemment. Salut Damien Lacoste, comment tu vas? Allez, on y va, c'est parti. Ah, salut. Wouhou. Ok, on va passer par là. Je sais plus du tout s'il faut passer par là pour... Comment on fait déjà pour les prendre des chevrons? Faut juste monter dessus? Faut juste les carjaquer? Faut les carjaquer? Mais si, je veux te carjaquer. Oh! Faut juste les carjaquer! Oh! Je carjaque des chevrons! Incroyable! C'est fou, ça! Oh, la musique! Oh, le carjacking! C'est fou! Oh, c'est incroyable! C'est avec toi, Pokémon Y, non Pokémon X! Il va durer le longtemps le marathon? Bah, le temps qu'on fasse tous les jeux Pokémon de base, qu'on fasse tous les hors-série, tous les fan games, et qu'on fasse après des challenges. Donc, oui, le marathon va durer très longtemps. Hein. Oh, c'est trop marrant! Oh, j'adore! Oui! Je m'amuse comme un con!
Hop là, wouhou. Je me barre avec, hein. Franchement, à ce niveau-là, on se barre avec, hein. Allez, hop. Non, mais ah, je peux pas remonter dessus. Ah merde, du coup, je me fais agresser là. On équipe tout ça, mais oui. T'as de la chance avec les natures de Pokémon. Non, les natures puent la merde. Grand F Pokémon, oh, te fous. On s'en j'ai rien tout, 24, donc en attendant, me voilà. Nice, salut Pascal. Incroyable. Merci mec, tu me rappelles des souvenirs quoi, plus ça, merci. Coast to beer, ça fait plaisir. Comment tu fais pour y jouer alors qu'ils ont supprimé Citra? Bah j'avais installé Citra avant. Eh, il y en a là-dedans. Il y en a là-dedans. Vas-y Aaron, en avant. Tu me ramènes une vraie nostalgie, tant mieux. Salut Storm Kids, comment tu vas? Vas-y Aaron. Oh la vendetta. Ah le fils de pute. Méga évolution, point boost! J'ai trouvé un moyen de remettre Citra, oui, le DL sur des fichiers. Point boost! One shot, c'est bon, parfait. Oh, pas level 33, chier. Tauros, on garde. Normalement je suis à plus 1, méga évolué, ça devrait largement kill. L'intimidation, ils m'enlèvent plus 1, le bâtard. Point boost. Oh je l'ai pas tué putain. Touquet 20. Ah Touquet 24, un jeu si bien qui a failli corrompre ma save à cause des DLC car ça a bugué à la sortie. Ah putain, ah ouais, mais j'ai entendu des trucs comme ça, j'espère que moi ça me l'a pas corrompu, ça me trouverait le cul quand même. C'est ton équipe finale ou pas encore? Non pas encore les gars. J'espère que j'ai pas eu trop de problèmes, je verrai bien ça quand je lancerai live ce soir. Mais j'avoue, ça fait un peu flipper quand même. Méga Lucario, une des meilleures méga, on est d'accord. Une des meilleures. Du coup, je suis heureux, je suis en train de jouer à Pokémon Y et j'essaie de rattraper le stream. Comme ça, je peux suivre avec le stream. Oh, trop bien. Gamusso est la meilleure mécanique de tous les jeux. Oui, oui, sans hésiter. Ouais, je suis tombé Galou Carou, il a le même nom que moi. Ah ouais, Aaron. Ouais, mais c'était la ref, les gars, hein, pour Aaron. Oh, putain, porte ton père, c'est vrai qu'il n'y a pas d'arène ici. Il y a eu une mise à jour, bah on verra bien. Hein. Méga garde-voir aussi, incroyable. C'est qui? Je suis sûr c'est le gros. On paraît combien que c'est le gros? Ah non, c'est la connasse. Bonjour Zorak. Bonjour Zorakvos. J'aimerais faire un combat. Rendez-vous devant l'arène. Viens préparer, d'accord? Ah non, il y avait une arène à porte ton père. Bah, j'ai de la merde alors. Comme d'hab, hein, ça change pas. Ça change pas d'habitude. T'as pu avoir la canne à pêche dans la ville. Oui, oui, t'inquiète, j'ai pris la canne à pêche, j'ai pris la canne à pêche, vous en faites pas. Ah, ah, c'est bon. Ça, c'est impossible à contrôler cette merde. Wouh, wouh. Je slide, je slide. En fait, y'a rien ici. C'est à chier, pour ton père. Pour ton père, ouais. Époque de diamant et perle, j'avais appelé mon Lucario Goku, car dans l'anime, l'attaque aura sphère faisait des mouvements que le mouvement que le Kamehameha. C'est pas faux. Ah, Zorakvos. Oh putain, c'est vrai, comment je l'ai fait comme voix? Oh, je me suis impu. Toutes mes félicitations. Voilà que tu as obtenu le matériel nécessaire aux méga évolutions. Récapitulons, une méga gemme pour les Pokémon, un méga anneau pour les dresseurs, et bien sûr, un lien très fort entre les deux. Oh putain, c'est vrai. Comment je fais? Je l'avais fait une voix angélique, mais je sais plus comment je l'avais fait. Faut que je réfléchisse, attendez. Un lien. De quoi parlez-vous? Je crois que c'est une voix un peu comme ça. Ce n'est qu'une intuition de ma part, mais je pense que le lien dresseur Pokémon est la clé d'une nouvelle forme d'évolution. J'en conviens, cela ne nous avance pas beaucoup sur la nature de ce lien. Et cela n'explique pas non plus qu'on avait vu... qu'on ait vu d'exemples... Quoi? Ah bah qu'on ait vu d'exemples de méga évolution Kakalos, pardon. Tant de mystères en suspens. Qui demande élucidation? Est-ce que vous pensez à quelque chose comme les Pokémon légendaires de Kalos? Quelque chose qui serait spécifique à la région? Je ne voyais pas les choses sous cet angle, mais dit comme cela... C'est une très bonne théorie.
Plus on en apprend, plus il y en a à apprendre. Ah, le frisson de la recherche. Mais n'oublions pas l'essentiel. Tu es venu pour te donner... Je suis venu pour te donner ceci. En vol ! Oui. Oh, alléluia, il y a vol ! Grâce à ces vols, il devient possible de voyager. Voilà, sur ce, Zoragos, je file. Cher Dianthea, au plaisir. Lorsque je joue un rôle, vois-tu, je cherche les liens qui me rattachent au personnage. Si je m'attardais uniquement sur les différences, je finirais par le haïr. Alors qu'en multipliant les points communs, je pense que l'on finit par mieux comprendre le rôle et ainsi mieux l'habiter. Je vais devoir y aller. J'espère que nous pourrons faire un combat Pokémon lors de notre prochaine rencontre. Bien, Dianthea, si vous voulez faire un combat, c'est avec plaisir. J'ai un doute, mais c'est dans quel jeu Pokémon où tu rentres dans la mauvaise maison et où tu te retrouves à affronter Cynthia. C'est dans Noir et Blanc, je crois, ça. Hein. La CS vole, on est d'accord, personne ne peut la prendre. J'ai personne qui peut la prendre, c'est cool. Oui, je vais prendre le Monorail, c'est parti. Va falloir se trouver un petit Pokémon vol, les gens. Hein. Ou qui peut apprendre vol. C'est parti pour les monorails. On est arrivé. Est-ce que ma team est heal? Parce qu'on va devoir affronter l'autre connasse. Alors qu'on l'a affronté il y a pas longtemps, hein, je vous rappelle. Hein. On l'a affronté pour la méga évolution, là faut la affronter. Parce que pourquoi pas. Si on va en plus, ce qui est bien sur Citra, c'est que je rec pour me faire un test avant de peut-être me lancer. Ah, nice, Tomkiz, nice. Let's go. On y va. Où est la reine de Port-en-Père? C'est ici. Port-en-Père. Voilà, c'est exactement là. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à venir le temps du téléchargement de 2K24. Peut-être, oui. Salut Hitlo. Peut-être XP un peu les Pokémon hors live pour les prochaines arènes. C'est exactement ce que je fais à chaque fois, mon petit Hitlo. Ne t'inquiète pas. Désolé de t'avoir fait attendre. Une chose m'intéresse. Voir une méga évolution. Bien sûr, rien ne t'oblige à en déclencher une, mais... Merci Yanis pour le follow Twitch. On peut voir ce tout le diff en live de la chaîne avec son plaisir. Merci à toi. J'aimerais au moins voir de mes propres yeux ce que les Pokémon peuvent faire au sommet de leur puissance. Merci Itzlo pour le follow Twitch. On peut voir ce tout le diff en live de la chaîne avec son plaisir. Merci à toi. Elle a 3 Pokémon, mais elle va faire quoi? Elle va rien faire. Je vais la défoncer. Je vais la prendre la vie à cette connasse. Il est psy, hein, on est d'accord. Hein. Je sais pas, je me trompe, mais il est psy, je crois. Durandaru, oui. Vas-y, Durandaru. Durandaru. Bluff, eh ben ça m'affecte pas, chais. Poursuite. Les rivaux méritent des claques de Saitama, frérot, tellement. Oui, Madbou, je m'en souviens, je me souviens de toi aussi. Les dégâts sont dégueulasses. Attendez, insecte, normalement c'est super efficace contre psy. Donc si on peut utiliser Taillade qui en plus sera plus puissant à chaque tour, ça devrait être mieux. Voilà, exactement. Voix enjoliveuse. Il prend cher du Lundan, hein. Taillade. Oh, il est en HP. Un HP, retourné en HP. Oh. Dans les personnes qui te disent qu'ils voudraient te voir faire quelque chose, mais te disent que tu n'es pas obligé. Ils insistent quand même à ce que tu le fasses, c'est ça. C'est pas pour t'obliger, hein, mais j'aimerais pas que tu le fasses, mais oh. On me reportait que c'était stable. Ouais, mais le truc, c'est que Taillade, ça augmente au fur et à mesure des tours, les dégâts. Donc plus tu utilises, plus ça fait de dégâts, donc ça aurait été plus intéressant. Tyranidur 33, let's go. Le Goat 34, let's go. Le Goat va prendre Gonflette. Pas besoin. Pas besoin. Absol. Je m'étais chié la dernière fois, je crois. On va envoyer Aaron. Relouka. Non mais t'inquiète Angel, je suis désolé Angel, mais je vais devoir défoncer le cul. Je vais devoir te prendre. Je vais devoir te prendre par les fesses. Je suis désolé. Hein. Mega Lucario.
Lucario, point boost! Voilà, j'ai one shot Absol. Triste vie pour Absol. Croix porale, regarde. On avait dit pas avant la bêta de Victory Road. Ou surtout Kay, mec. Salut Matrixé, comment tu vas? Salut Léo Lardon, comment tu vas? Tu as pris quelle version de 2K24? La version pour les... La version pas pour les gueux, la version pour les gens qui ont de l'argent. Évidemment, je plaisante. Mais on a pris la version chère. Ça va très bien toi. Nice. Faut que tu lui apprennes au rasfer à ton carreau plus tard. T'inquiète, t'inquiète. Bon bah je l'ai défoncé. Hein. Nous avons pourtant suivi le même chemin depuis Bourg-Croqui, mais nos aptitudes en tant que dresseurs n'ont pas évolué de la même façon. Qu'est-ce qui fait la différence? Je sais que tu as faim des étincelles dans l'arène, bonne chance. Enfin, un peu moins bien qu'hier. Ah oui, bah oui, forcément, Matrixé, je suis sûr. Évidemment. Allez, petit heal, et on va partir pour l'arène qu'on va défoncer, les gars, hein, parce que Roussil, Roussil avec feu enchanté, là, ou feu, je sais plus comment ça s'appelle, là. Ça va niquer des mères, ça va. Pff, oh, vous n'êtes pas prêts, hein. Le quatrième, le vieux, là. Le vieux, on va l'envoyer en EHPAD, hein. On va tellement l'envoyer en EHPAD, le Yeuve. Eh ben évidemment, Matrixé, évidemment. Salut Théo VDC, comment tu vas? Je suis depuis 2-3 jours, je kiffe le fait qu'on soit pas beaucoup. Au moins, on peut parler tranquille. Oh, bah écoute, Léo Lardon, tranquille. N'hésite pas à venir sur Twitch aussi, en meilleure qualité, mon gars. Hein. Avec la commu de ouf. Ça respecte pas les vieux ici. Allez frérot, le vieux c'est le champion, on va le niquer. Hein. Carrière, tu le fais avec quelqu'un qui parle avec toi? Non, je le fais tout seul, pourquoi? Bah, heureusement, je n'ai pas Twitch. Oh! Oh! Quand ton Pokémon hors starter de cette génération, moi c'est quel alors? Ah, mon Pokémon préféré de cette gêne! Oh! Foutrement aucune idée. Je vous avoue que j'en ai foutrement aucune idée. Normal que j'ai pas évolué de la même manière, toi t'es fort alors qu'elle est nulle, basique. Voilà, basique, simple, simple, basique. Oh le bas! Le chien! Ah là, il chouille qui m'a paralysé! Putain! Je joue avec quoi? Je joue avec un émulateur, les gars! Rhinopharyngite 28, let's go! C'est que Rhinopharyngite, il pourrait le faire en vrai. Hein. Moi j'aime bien le porte-clés de la 6G. Ah, Trousselin, c'est vrai qu'il est pas mal. Il est pas mal. Lequel? Citra, les gars, Citra. Antipara, let's go. J'ai pas une baie à la con qui traîne? Baie Mango. Ah ouais, c'est de la merde ça. Okay. Message CBG, mais je veux dire, tu joues avec les touches du clavier ou une manette? Demande directement, hein, ça ira plus vite, hein, je comprendrai plus simplement. Yo Toto les gammes, comment tu vas? Ah, tu lurk, ok, pas de soucis. Fais gaffe, le chevroom du maître d'arène, il a piétis sol. T'inquiète, je le défonce. Salut toi, bah tranquille, tranquille. Oh, le type dragon de la 6G est pas terrible, je trouve. Pas ouf, ouais, y'a mieux. Je vais voir regretter d'être né, frère, il va regretter de pas être déjà à l'EHPAD. J'ai pas suivi 2-3 jours, déjà le L30, et qu'est-ce que quel il faut que je mate sur YouTube? Oh, c'est pas grave, tu materas sur YouTube, mon cher Cataclysme, c'est pas grave. C'est bien aussi YouTube. Ramzy, oh il s'appelle Ramzy! Il est où Eric? C'est Pokémon X, Sandro. Feu ensorcelé! Oh trop stylé! Ouah, trop de flow! D'habitude je regarde pas Pokémon, mais là j'aime bien. Merci Yanis! Je te regarde depuis ma télé, mon téléphone en même temps en ce moment. Oh putain, le mec il est déter. Tu choisis l'émulateur et alors? Oui, je suis l'émulateur, ouais. Ah merde, putain, merde, l'ombre. Un Pokémon aux plantes, putain, je le fais comment? On va envoyer Durandaru. Durandaru, vas-y. Merci Luca pour le follow Twitch, j'espère te revoir sur tout le live de la chaîne, d'extrême plaisir, merci à toi.
Tourniquet ? Pourquoi il fait tourniquet ce con ? Ah ok, ok. Durandaru ! Taillade ! Oh, il fait des dégâts avec sa bulle d'eau ! Pokémon X les gars ! Pourquoi il y a une épée ? Je pensais que c'était un jeu Pokémon. Je pensais que c'était un jeu Pokémon. Frère, c'est du Landal. C'est du Landal. Critique pas. Monorpal incroyable. Il n'y a aucun risque d'installer cet émulateur sur PC. Non. Non. Bah après, bonne chance pour l'installer vu qu'il est plus dispo. Vortante. Changé. Vas-y, Novilius. C'est quand Touquet 24 ? Ce soir, les gars. Ce soir, vers. Bah, à la fin de ce live, je me laisserai peut-être 20 minutes le temps de me reposer un petit peu et de faire un petit truc. Et ensuite, on partira sur Touquet 24. Et ça sera que sur Twitch, évidemment, comme je le répète. Et vu que TikTok n'aime pas Touquet, ça sera sur Twitch. Qu'on peut avoir, je vais tryhard pour l'avoir pour 2000. Ah, mais tu m'étonnes, c'est incroyable. L'attaque SP ABC, ok. Racine. Le FTP ! Ah ! Vers quelle heure ? Vers. 20h30 environ, je pense. Des Nuzlocke, oui, 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 qu'on aura terminé tout. C'est génial d'avoir pris Fennec comme starter. J'ai appris ton courage. Merci, Hanks. C'est la commu qui a choisi. Je voulais juste pas, la fraude et le sur-hypé anime-like de Amphinobi. Et après, c'est la commu qui a choisi, tout simplement. Si, tu pourras l'installer si des gens te l'envoient, quoi. Amphinobi le surcoté, oui. Il est très bon, hein. J'adore le Pokémon, hein. Mais surcoté as fuck, hein. Je vais aller de l'autre côté, parce que je sais pas s'il faut aller à gauche ou monter. On va monter pour voir. Bah, fallait aller à gauche. C'est pas grave. Instant regret. Tu feras le Touquet en mode carrière. Oui, 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 on fait ça ce soir, les gars. Touquet mode carrière, évidemment. On fera tout, comme je l'ai dit, il y aura le 1 an change qui revient sur Touquet 24. Il y a le mode carrière, la coop en mode univers. Il y aura aussi du My GM, il y aura peut-être du My Faction. On va tout, le 24 on va le bousiller, c'est-à-dire on va le, il est trop bien. Elle coûte combien ta manette? Je l'ai payé 20 balles. Il y a comment qui trouve que Pokémon Company abuse d'avoir porté plainte contre 4 de Citra. Alors le truc en fait c'est qu'ils ont porté plainte contre les créateurs du Yuzu qui sont les créateurs de Citra. Et à mon avis vu qu'ils se sont tapés le procès, ils ont dû fermer les deux. Mais en soi je pense que Citra les dérangeait pas trop que ça en fait. C'est surtout Yuzu quoi, parce que c'était à Switch. Ce que je peux comprendre. Mais c'est vrai que ouais, Citra, ça trouve le cul quoi. On va le tuer Touquet 24, mais Touquet 24 on va le bouffer hein. Sur quoi tu l'as acheté? Je l'ai acheté en magasin. Oh, Chenizel, incroyable! Très peu vu Chenizel, hein. Joli Pokémon. Nu à chier, mais joli. Oh, les one shot, ça dégage. Tirer dur 34, je crois que c'est 39 qu'il évolue. Machouille. Oh, oui, machouille à la place de morsure, let's go. Rhinopharyngite 29, let's go. The Goat 35, let's go. J'ai battu Daniele. Daniele De Rossi. Non, c'est pas ça? Ok. J'aime bien cette arène en vrai. C'est vraiment. J'ai l'impression d'être Tarzan le truc. Oh, yo, 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 yo. Est-ce que ton Tyranidur a Prognat? Je sais pas. Attends, je vais regarder. Oui. Oui, oui, oui. Je regarde du sport, évidemment que je regarde du sport les gars. Pas énormément mais je regarde. Merde, gauche ou droite? Mon bad, je sais pas. Non, ok, c'est à droite, j'ai vu qu'à gauche il y avait rien. Ezoragvo, c'est quoi ta team complète? Pour l'instant, c'est pas la team finale les gars. Tu as eu one shot ces deux Pokémon à la dresseuse. Je suis trop fort les gars. C'est en conjuguant les sentiments de mes Pokémon aux miens que je trouve ma vraie force, pardon. Kaori. Oh, joli nom, j'aime bien. C'est qui ton catcher préf? Le Miz. The Miz, because he's awesome! Feu ensorcelé. Le combat de Baki et Doumbé était nul. Il était bien, mais il a fini comme de la merde, oui. Tu joues à Touquet sur quoi? Bah, PC toujours. Si j'ai un PC, on va pas changer. Hein. Noix de coco, bah, let's go.
Nevilius, feu ensorcelé une nouvelle fois. One shot. Level 39. Pop. Tu parles du jeu de basket, non? Du jeu de catch? WWE 2K24. Évidemment. Ici, on est le catch, on vit le catch, on souffle le catch, on meurt le catch. On ken le catch, on se douche le catch, on mange le catch. Wouhou! C'est sûr que quand on a des Pokémon alors que toi tu as des Pokémon feu, t'es imbattable. Allez frérot, c'est pas de ma faute hein. Il avait qu'à avoir une meilleure. Mais il avait pas quelque chose à cet élément. Je t'ai allé à plus et bonne soirée. Et bonne nuit tout le monde. Salut Phoenix! Prochaine. Hyper potion. Sur Durandaru. Durandaru. Ouais, de vrai, on peut faire ça. Est-ce qu'on mettrait pas un pic venin sur notre petit... Si on va mettre un petit pic venin sur Rhinopharyngite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Capacité type plante, on va mettre ça à The Goat. Ah, pas d'autres trucs. Herbe blanche, sable doux pour les attaques sol. Ceinture noire. Pierre éclat. Ok, on est bon. C'est parti. Parti pour le vieux. Oh, une nouvelle tête. Je suis Amaro, le champion de cette arène. Alors j'ai toujours la main verte, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La main verte, n'est-ce pas? Jeanne, au secours! Oh là, il dérape le vieux. Une vigne ici, une traîne là, et hop! Voilà un petit quelque chose pour séparer le bon grain du de livret. Tu es prêt pour ta coupe de printemps, maître en herbe? Les graphismes sont mieux que ceux des derniers. Ouais! Au moins que c'est Pokémon Feu, on peut détruire les plantes illégales en France. Oh, bien joué, pas mal. Pokémon Plantes sont faibles face aux Pokémon Feu et volent. Oui, exactement, Stamp Kid. Nevilius, feu ensorcelé. Et voilà, one shot. Déjà, ça, c'est fait. Chevroom. Bon. Feu ensorcelé à nouveau. Oh, il a tanké le bâtard. Oh, le petit tir. Feu ensorcelé à nouveau. Oui, oh, j'attaque avant. Oh, la moule. Ok. Rhinopharyngite level 30. Boostifer, vous savez quoi, on va faire un... Ah putain, mais il est pas plante poison lui. On va envoyer Durandaru. Oh ouais, Durandaru. Je suis tranquille avec Flambizarre. Ah ouais, Flambizarre, t'es trop bien. Tom et Nick sont mariés. Hey, Tom et Nick, ouais, ils sont mariés, trop fort. Aéropiqué. Il a même pas en piflore ce con. Ah ouais. Oh là là, les dégâts de Durandal. L'équipe et l'épée qui est en train de tailler de la plante là. Aéropiqué. Et c'est qui? Tu le S. Mais frère, je vous l'ai dit, le vieux il retourne à l'EHPAD. Tranche nuit. Oh oui, à la place de poursuite tous les jours. Surtout que là, vu l'arène qu'on a après... Ah non, non, l'autre... Ah oh, putain, oui, on va retourner... Ok, on va retourner là-bas, incroyable. J'ai oublié. Les liens avec les Pokémon se tissent calmement au fil du temps. Inutile de se presser. C'est quoi bientôt? Salut Pascal, à la prochaine. Tu suis Enixir en 2019, évidemment. Salut Ivan Super, comment tu vas? Salut Doc Toco. Oui, Durandal évolue. Oui. Avec vos bonnes chances avec la forme finale de Durandal. Au calme, mec.
Go la pierre nue maintenant, c'est ça. Il dit ça, mais on peut compléter son amitié avec un Pokémon Tropius. Tu crois en ton équipe et ton équipe croit en toi. Vous êtes de beaux roseaux, vous pliez, mais vous ne rompez pas. Allez, vous avez bien mérité votre match végétal. Let's go! Et du coup, pour ceux qui sont sur Twitch, Amaro éliminé! Voilà, ça dégage! Avec ce badge, la graine de champion que tu es pourra utiliser vol même en dehors du combat. Et aussi, les Pokémon jusqu'au level 60 t'obéiront, même ceux échangés. Et pour finir, j'espère que ça te fera autant... ça te plaira autant que mes plantes aiment les engrais. Tiens, ne herbe. Ouh. Ouh. Tu vas le mettre la pierre nuit. Je sais pas où on la chope, les gars. J'admire le pouvoir des plantes. Elles ont l'air toutes fragiles, mais elles percent même l'asphalte. L'asphalte, pardon. Sacrée petite chose, elles m'inspirent. M'inspire pas trop, papy, hein, parce qu'à mon avis, avec ça, tu peux faire une crise cardiaque. Vous croyez que j'en ai une de pierre nuit? Arrêtez les codes. J'ai une pierre éclat. Oh, j'ai pas de pierre nuit, moi. Pierre foudre. Ah, vous avez vu, j'ai pas de pierre nuit, les gars. Malheureusement, triste vie. Hein. Wouhou! Le toboggan! Ouais! Yeeha! Je m'amuse, voilà, je suis content. Voilà, j'ai fait le petit toboggan. Fils d'un enfant. Pas dans la grotte Koda, il y en a une là-bas. Ah, bah attendez. Ah. A tout de suite, Lucas. Ah oui, putain, oh, Lisandre. Le professeur Platon m'a averti que tu avais découvert comment utiliser le pouvoir des méga évolutions. Tu es véritablement un élu. Tu as désormais la possibilité, que dis-je, le devoir, de transformer le monde pour lui offrir un futur meilleur. Et pour rendre le monde plus beau, réfléchis bien aux actions que tu vas devoir entreprendre. Nous ne pouvons plus nous contenter de cacher les souillures du passé avec celles du présent. Par contre, RIP, la championne de Yantres, les Pokémon sont plus haut niveau que ces Pokémon. Ah, écoute, pas compliqué. Hein. Du coup, il y a un truc à faire ou on peut directement aller à la 5ème arène? Parce que je sais où est la 5ème arène. T'inquiète que je tombe sur ce live, moi aussi je suis en train de rejouer Pokémon Y. Nice Paola! Paola Bianchi! C'est la femme de Paolo Bianchi, évidemment, oh là! La grotte Koda, c'est après le 7ème badge. Ah bah oui, bah y a le temps alors! Alors qu'est-ce qu'on a en bas là? Voilà la centrale là! Nous t'attendions! Oh non, pas eux, putain! On t'a fait peur, désolé, c'était pas le but. Malgré les apparences, ce n'est pas un guet-apens. On était en route pour la centrale que le professeur Plata nous a demandé d'inspecter. Mais la porte qui relie Illumis et la route 13 était fermée à cause d'une mystérieuse panne. Donc il va falloir enquêter. Après, le centre et le côté de Kalos, à ton avis, que peut-il y avoir? Ah merde, c'était la meuf qui parlait, c'est pas grave. Halte aux questions embarrassantes, les monts bien sûr. Comme tu l'as deviné, c'est le moment d'améliorer ton Pokédex. Ok, merci. Maintenant que le Pokédex des monts de Kalos est disponible, n'hésite pas à sélectionner dans le menu du Pokédex. Tu sais, j'ai l'impression que tu as grandi. Ah, il est temps de nous quitter, bon voyage. Toujours casser les couilles seul, hein. Step d'Illumis. Ouh, c'est vrai. Pokémon de type sol. Merde, j'ai oublié de regarder si j'avais pas un Pokémon de type vol qui traîne. Merci pour la fleur, mec. Ah, je me fais agrala. Oh, d'accord. Agressé. Oh, Tropiqueur, incroyable. Alors prendre coup plein là, c'est peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eues. Hein. On va changer. Hein. A plus Absol. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Et merci pour le raid. Hop, on va envoyer The Goat. On essaie de me suivre là. Eh oh, il y a des Pokémon qui essayent de m'agresser là. On va partir. Oh putain, on va tellement pas vite. On va en vélo. Oh, il faut aller à pattes, quoi. Ah ouais. Le courant doit être coupé parce que la porte pour Illumis ne s'ouvre pas. C'est bizarre, la centrale a l'air de fonctionner pourtant. Ok, faut aller à la centrale. Tropiqueur avec son cheveu. La base. Wouhou! Je slide!
Pour une Pokéball. Ah 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 ah. Là là là. Wouhou. Oh, je vais à 2 à l'heure, je vais à 2 à l'heure. Allez, plus vite, plus vite. Oh putain la vache. Pierre Soleil. Eh les gars, on va toutes les avoir sauf la bonne. Hein. Us, 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 us. Allez, cours plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, allez, allez. Plus fort, vas-y, oui. Bon, let's go. Non, non, voilà. Putain, je sais plus où aller à la centrale. Oh putain, je me fais agresser. Trio PK. Pierre éclat pour Flora. Allez, Flora, on l'utilise plus, les gars. Canon Grain. Retourne sable bâtir. Almetir. Allez, watch out, ça dégage. Bonjour, je me souviens de Pokémon X et de ce désert avec le vent de fou. Ouais, le vent de ouf, les gars. Gros bordel. Ah putain, c'est là. On a trouvé la centrale. Let's go. La porte est fermée, ici, t'en passes pour s'ouvrir. Et comment je suis censé faire? Pour la carte de la centrale, interagir avec la pierre avant de parler au sbire. Pense à quel sbire? Oh non, me dis pas que tu parles. Tu veux dire le mec là qui avait à l'entrée là? Le mec avec son truc en mode ouais, la centrale c'est le bordel? T'es en train de dire ça? Le mec là-bas? Qu'on a vu tout à l'heure? C'est quelqu'un de la team Flair qui l'a fait tomber. Eh frérot, j'en ai pas vu le mec de la team Flair là. Ah putain, va falloir trouver un clandu là. Chier. Oh putain, je peux même pas saper le combat. Let's go. Le bâtard Kuba, d'accord. Allez, canon graine. Ça dégage. Neuvilius 40. Putain, mais Neuvilius, bordel. Bon, faut trouver le mec de la team Flair. Et où ce con? Ah putain, oui, c'était celui d'en haut. Mais c'est vrai qu'il y en a deux. Putain, j'avais oublié. Merde, qu'est-ce que je fais? La team Flair, toujours élégante, c'est marrant, beauté. Ah d'accord. Salut les lardons, à la prochaine. Oh, Démolos. Deux gouts, vas-y. Deux gouts, surf. Allez, one shot, ça dégage. Aaron 36, let's go. Nosferalto. Tyranidur, vas-y. Faut vraiment que j'ai un Pokémon qui est vol pour qu'on puisse aller le renommer. Hein, parce que là, c'est scandaleux qu'il ait pas de nom. Hein. Je suis scandalisé. Pouvoir antique. Oh non, de folie, le bâtard. Te touche pas à la confusion. Oui, pouvoir antique, let's go. Pas d'augmentation, merde. Tranchère. Oui. Tirer van. Ah, y a de l'idée, y a de l'idée. Rhinopharyngite 31, let's go. Ah, t'étais nul à chier, hein. Et voilà, je perds encore et je me retire avec ce qu'il me reste d'élégance encore. Ça y est, pas grand chose, hein, parce que bon. Il est nul quand même, Pokémon X, c'est un des meilleurs. Et maintenant, je prends la poudre d'escampette, toujours avec classe. Hein? Le passe central, où est-il passé? Zut, flûte et crotte de cabriolet. J'ai fait tomber le passe central, réfléchissons. J'ai le style élégance vestimentaire, mes raisonnements peuvent. Mes raisonnements peuvent être du même tonneau. J'ai dû le laisser tomber lorsque j'ai trébuché devant ce gros caillou-là. À 9 pas à l'est de là où je me tiens maintenant. Si seulement j'avais un cherche-objet pour le chercher avec style. Okay. Cherche-objet, hop. Donc 9, hein, il a dit. Hein. Okay. Donc 1 là où je suis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, bah d'accord. Bah, tes infos sont pas bons, Kevin.
Non, le meilleur Pokémon Ruby Sapphire. Oui, mais c'est pas parce que c'est pas le meilleur que c'est qu'il est nul. Il est incroyable le jeu. Allez, c'est parti, on va à la centrale. Tral. Parce qu'on est venu chercher le Graal pour ceux qui ont la ref. Évidemment. Quoi ? Ah merde, ok, oui, non, c'est pas celle-là, putain, c'est l'autre. Puisque oui, c'est vrai, il y a 36 portes dans ce truc. Oh là là, le bordel. Casse-toi, toi, avec ta sale gueule. Oui, oui, c'est celui d'en haut, désolé. Hop, la porte de la centrale de Kalos est ouverte. Oh putain, c'est vrai que la musique elle est trop bien. La vie de ma mère, elle est trop bien cette musique. Savez comment tu fais pour avoir un jeu aussi beau? Bah tout simplement avec un émulateur et tu mets les paramètres graphiques améliorés. Comme ça tu as un meilleur jeu. Oh. Remicha, comment tu vas? Pourquoi tu t'ambiances? Bah la musique elle est trop bien les gars, vous êtes fous. Pourquoi je m'ambiance? Moi je vous pose une question, moi je vous pose une contre-question. Pourquoi vous ambiancez pas? T'es qui? Ah putain encore un. Qui êtes-vous? Qui va là? D'où tu sors? Mais qui tu es? Bah déjà, bah, laisse-moi répondre à une question avant de me poser 36. Qu'est-ce que tu fabriques là? C'est le seul personnage autorisé peut circuler ici. Bagiguan. Oh Bagiguan. Bagiguan. The Goat Canongren. C'est quel émulateur que tu utilises? Citra les gars. All one shot, coup critique, let's go. D'ailleurs n'hésitez pas pour ceux que ça intéresse, pour avoir le grand écran, la meilleure qualité, etc. Et 100% des streams, vu que certains streams sont malheureusement outés par TikTok, n'hésitez pas à venir sur Twitch, on vous accueillera avec la avec grand plaisir, ce serait vraiment très sympa si vous souhaitez me soutenir. Salut Otaku sur TikTok, c'est moi. Salut Gorbus. Une pluie de GG s'il vous plaît dans le chat pour Gorbus qui a fait le chemin de TikTok à Twitch. C'est les goûts qui font ça, évidemment comme d'habitude. Ça fait plaisir. Tu peux jouer sur téléphone, c'est impossible. Tu peux. Salut Cyriel! Le chat, s'il vous plaît. Twitch? Je suis désolé, Twitch, hein, mais je vous ai pas élevé comme ça, hein. Je suis déçu là. Hein. Twitch? Ok, y'a des fraudes. Y'a que des fraudes. Je suis désolé, mon cher Gorbus. Normalement, je les ai élevés mieux que ça sur Twitch, mais là, je sais pas, ils sont pas bien là. Allez, franchement, je suis déçu. En vrai, je suis triste premier degré. Et là je... Non, je suis pas d'accord. C'est pas bien. Non, je suis pas content. Coucou, désolé, je viens à peine d'arriver, je pouvais pas avant. T'inquiète, Maël, y'a pas de soucis, t'en es où? Bah là, je suis en train de faire le... Ah, j'ai pas vu mes PV. C'est pas grave, hein. On voit du Runda, lui, qui a évolué. Du Runda, ombre portée. Ah, ça dégage. Mais t'es qui, sérieux? Bah, je suis un mec qui vient t'apprendre la vie, connard. Tu parles comme un antagoniste. Oh! On peut savoir ce que tu fiches ici. La team Flair est très occupée, à détourner toute l'électricité de Nice. T'imagines bien que nous sommes débordés à l'heure du vent. Ouais, bah, je viens de te démonter le cul, tu crois quoi? Je vais t'obéir, connard. On va envoyer Durendal en premier, parce que Durendal, il a cru. Durendal est fou. En tout cas, je suis désolé, Gorbus. Je t'avoue, là, je suis un peu déçu, je vous avoue. Je sais pas, peut-être que les gens sur Twitch ne sont peut-être... Ça se trouve, il y a les 12 personnes qui sont là, sont tous en lurk. C'est un peu triste. J'avoue. D'habitude, ils sont toujours là, ils sont tellement polis, ils disent bonjour à tout le monde, et là, ils disent nique ta mère, donc... Salut le Slug, non. Comme d'habitude, on fait d'abord le marathon, on fait tous les jeux Pokémon, ensuite on fera tous les hors-séries, ensuite on fera plein de fin de game, et après on fera des challenges. Tranche nuit. Oh, pas mal. Mais putain, il est encore retardise, OMG, je vais être encore confus, j'en peux plus. Tranche nuit. Let's go. Seralto. Oui, petit rallye dur.
Avantage du tyran est dur, il a un bonus avec une tempête de sable, c'est vrai. Pouvoir antique. Oh, il a météor le bâtard. Ça va pas faire de dégâts. Calme. Boost, pas de boost. Piège de roc, y'a pas d'intérêt les gars, c'est son dernier Pokémon. Donc y'a aucun intérêt de faire piège de roc, y'a personne qui va rentrer. J'avais Goupla comme starter, il est trop fort contre la Team Flair. C'est pas faux, Mew Rocket. Et oui, je ne suis pas à Yveltal, les gars. Là, on est vraiment qu'au désert. Hein. Genre, vraiment, on vient de battre la quatrième arène. Hein, donc. Oh! Hey, l'intrus, c'est moi ton adversaire maintenant. Ok. C'est trop facile d'XP ces Pokémon dans ce jeu, c'est vrai. C'est assez simple. Crayena, c'est terrible, je crois. Ah putain, j'oublie tout le temps. Combat psy, non? Non, combat. Combat fait. On va faire taillade. Mais putain, mais ils ont que des trucs pour me rendre confus, OMG! Oh, c'est plus facile, le plus facile, c'est dans l'épée bouclier. Ah bah oui, c'est sûr. Oh, le fils d'Ep! On va rien dire. Je vais y aller. Salut Grand Bus, à la prochaine, pas de soucis. Si juste le chat Twitch pouvait te veiller à te dire un petit GG avant que tu partes quand même pour te remercier, ce serait très sympathique. S'il vous plaît, le chat Twitch. Je dis bien Twitch. Et je dis bien, s'il vous plaît, des GG. Merci. Oh là là, waouh. Vous avez quand même eu un bon retard. Hein. D'habitude, j'avoue, je quémande pas. Mais là, quand même, c'est des viewers qui font l'effort de venir sur cette plateforme. Sachant qu'ils viennent pas tous de la plateforme. Ça fait plaisir quand même de les accueillir comme il se doit. Parce qu'on est bien polis. S'il vous plaît, merci. Quand vous êtes polis comme ça, j'aime bien. Merci l'invincible, comment tu vas? Merci. Nitro charge. Oh les dégâts dégueulasses, let's go. Car j'adore que je me suis bien fait niquer avec mon Dimoclès quand même. Feu ensorcelé. Durandaru. Tyrannie dur 36, let's go. The Goat 37, let's go. Merci au chat Twitch, vous êtes des goats. Mais bon, quand même. Quand même. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir. Vous êtes rattrapé, ça fait plaisir. Non, non, je ne bougerai pas d'ici, tu m'as vexé. Eh bien, d'accord. Bienvenue à notre happening, j'adore ses performances, ça donne l'impression de faire quelque chose d'important de sa journée. Parce que d'habitude, je ne branle rien. Oh, il a Megiguan. Tiens, il est dur, il lui reste 3 niveaux pour évoluer. Eh oui, salut, what's my fight? Pourquoi j'étais parti récupérer ma pizza saumon pour ce soir? J'ai raté quoi? Autant en rater, t'inquiète pas. Aéro-piqué! Oh, one shot! One shot! Nosferalto. Vous voyez, le petit rat. Tyrannie dur, pouvoir antique. Allez, on envoie Rhinopharyngite. One shot, hein, frérot. One shot. Il s'est tapé de la Zikmu, juste pour déconner. Je hais la Team Flair, voilà. C'est que des teams basés sur le putain de confusion, je les encule. Salut Paredone! Nidoking! Rhinopharyngite, tombe roche! Ah ben. Rhinopharyngite, tombe roche! 5 confusions de suite que mes Pokémon se tapent dessus! 5 de suite! 5 de suite!
5 hein. 5. J'arrive, tu les insultes très fort. Oh, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre. Je t'ai dit re-salut, mais je suis là depuis le début, t'inquiète. Allez, on les a baisés. J'aime bien leur style à team player, je les trouve marrants. Ouais, ils sont cool, mais ils sont chiants, putain. En vrai, le vrai happening, c'était ta venue. Et frérot, moi je suis un happening à moi tout seul. Je suis incroyable, voilà. Je suis le GOAT. Le GOAT. La musique est trop bien de l'endroit par contre, hein. Je le dis tout le temps, mais elle est folle. Je suis sur Pokémon X et depuis 15 minutes, je cherche un hirondelle sur la route 8. J'en ai pas, un triste vie. Elles sont cool mes lunettes, hein. Elles ont la classe, eh bien, tu peux te brosser pour les avoir. Mais j'en veux pas de tes vieilles lunettes de con, là. Tes lunettes de... On va peut-être déconner deux secondes. C'est Xerneas que tu vas choper vu que t'es sur X. Oui. Novelius, choc psy. Voilà. On va arrêter de déconner. Moi, je voulais m'amuser. Je voulais un peu faire participer tout le monde. On va arrêter de faire participer tout le monde. Je veux juste les défoncer. Alors, je vais leur prendre. Je vais les prendre le cul là. Je vais les prendre. Je vais les goumer. Grayena. Taillade. Ah, la confusion. Oui. Chai. Ok, pas de soucis Brian, pas de soucis. Putain, oh la vache. Il casse les couilles ces coins. Il me semble que le Pokémon que tu as peut évoluer avec la pierre nuit. Oui, mais j'en ai pas. En vraie question, pourquoi dans chaque jeu Pokémon, et même la série, on a jet. Ouais, pas les noms, il faut finir sa phrase quand même pour que je puisse être d'accord avec toi. Pokémon X, mon cher Lucien. Jamais vu de Pokémon nommé. Foutre-moi aucune idée. Flair, Flair, FLR. Flair, Flair, FLR, Flair, Flair. Non, frère, pas frère, Flair, Flair. Oh, avale tout. J'en connais des meufs comme ça. Non, je déconne. Novelius, en avant. Amnésie, je crois que ça augmente la défense P, ça, cette merde. Évidemment. Novelius, choc psy. Le pire c'est que le costume de la team Flair, elle a coûté 100 000, 1 million de dollars si je dis, c'est dit dans l'anime. Oh la vache. Avale tout, je sais pas son type et en plus il est pas très fin. Poison je crois. Après Pokémon X, tu vas faire lequel? Celui qui sera voté par la commune comme d'hab à chaque fois les gars, hein. Ça change pas. Tu commences le live 2K quand je reste là, mais je vais vite. Oui, en tout cas, tu recommences pas tout de suite. Hein. Valtou va dans la décharge publique pour manger nos déchets, exactement. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ah, je sais, martyricité Pokémon, vermine. D'accord. Léopardus. Oh, j'aime bien ce Pokémon. Léopardus, c'est ténèbres. C'est ténèbres pures, je crois. C'est ténèbres pures, si je dis pas de la merde. Hein. Putain mais Aaron il est KO. Putain c'est vrai qu'il est KO moi Aaron. Incroyable. Durandal Tayan. Durandal Tayan encore. Quoi? Oh le bâtard, je peux pas. Ombre portée. Let's go. Ils vont gaver, ils ont tous les mêmes Pokémon, exactement. Avale tout. On renvoie notre petit Novelius.
Non mais les mecs, par contre la musique de la team plasma c'est banger. La team plasma, la team flair. Novilius, choc psy. KO! Coup critique, bon. Faudrait que j'apprenne pour un bus à New King, ouais c'est pas faux. On verra, on verra. Oh, Dracogriffe. Oui. Peut-être pas. Si, non, j'en dis. Avale tout, attaque, nom de l'attaque censuré. Avale tout, utilise gommage de sexe, pardon, excusez-moi, j'ai oublié les trois petits points de la censure. J'ai oublié la musique, elle nous ambiance. Allez, frérot. Aaron, il est bien contre les Pokémon qui font des attaques de type poison. Ouais, on est d'accord. J'ai créé un perso incroyable, alors je me suis fait... Si je me fais battre en 3 minutes par toi, je suis une grosse. Tu ne passeras pas ma fierté, ton jeu. La musique de leur chef est encore mieux, c'est la meilleure du jeu. Ouais, je suis d'accord. Crado. Attends. Crado. Je sais plus si je le fais bien, mais à une époque je faisais bien. Je pense que vous en pensez, mais à une époque je faisais bien. J'arrive plus à le faire. Novilius en avant. Oh, Koubassa raté, dommage. Choc psy. Oh, one shot. Léopardus. Durandalu. Parce que je vois tout le monde attend la musique du chef, vous en faites pas, ça va bien arriver. Durandalu, Tayad. Ah, le coup critique, le bâtard. Le bêtir. Le petit bêtir. Choc psy. Quoi? Mais oui putain, mais ça affecte pas. J'oublie tout le temps son type. Je suis un abrutix. Je l'ai dit tout à l'heure en plus. Oh là là, l'abruti. Un feu ensorcelé. Il est un PV. Maël, tu l'as déjà dit ça et je l'ai déjà lu, hein, ton message. Oh putain. Oh. Ça va être chiant, les gars. Chaque fois que tu dis Durandalu, j'ai l'impression de voir le youtubeur lancer une attaque, frérot. Incroyable, hein. Bagiguane. Ah bah écoute, on va relancer notre petit The Goat. Déjà, j'étais parti. T'inquiète, Maël. Ça m'arrive tout le temps à un PV contre les sbires de la team Flair. Frérot, ils ont des ceintures force qui n'existent pas. Duck out, canon grain. One shot. Tu m'as battu, mais il en faut plus pour porter atteinte à ma fierté. Bah écoute, frère, tu l'as, t'attends déjà à ta fierté avec ta gueule, hein. Parce que tu racontes tout le temps, donc bon. Ta gueule, le profil. Oh putain, ça va tellement puer le cul, je le sens bien. On va rappeler Aaron. Petite sauvegarde, ça mange pas de pain. Ça va prendre combien de temps? S'il n'y a que les faits qui vous intéressent, nous avons accumulé assez d'énergie pour procéder à l'activation. Bon alors, prenez, pressez-vous un peu, nous avons d'autres chacripants à fouetter. Une autre mission?
nous débarrasser de ce curieux peut-être? Ça alors! Il faut non seulement subir le petit personnel de la centrale, mais aussi les nuisibles! Démolos! Tyrannidur en avant! Tyrannidur, Dracogriffe! Encore Dracogriffe! C'est quoi baston? Ouh! Pas ouf! Oh, il y a un PV! Oh! Ok, c'est bon. Fais l'attaque roche. L'attaque roche que j'ai, c'est piège de roc, les gars. Hein. Donc ça fait 0 dégâts. Hein. Oublie pas. Ah ouais, il était compliqué. Hein. Oh! Oh! C'est un fiasco complet! Non, l'autre. Mais l'autre, elle avait plus de PP, les gars. Regardez l'écran avant de dire des trucs. Allez, ce gag, c'est génial. Je ne m'abaisserai pas à cela. Fais ton office, Borel. Avec plaisir. Passons à table. Non, passons à table, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Ou alors c'est la meuf, j'en sais rien. Allez, go. Permets-moi de me présenter en colis pour te desservir. Comme tu l'auras deviné, je fais partie de l'équipe scientifique de la Team Flair et je suis chargé de recherche qui t'échapperait de toute façon. Mais j'ai une nouvelle mission malheureusement pour toi, me débarrasser de ta présence. Je fais trop bien la voix, je n'en peux plus. Oh, arrête Jade, arrête. Arrête. N'importe quoi. Groyna! Ok. Dracogriff, Tyrannidur! Oh là là! Je suis mort! Allez, let's go! Rhinopharyngite en avant! Rhinopharyngite! Double pied! Ça fait beaucoup de dégâts. Non, Rhino! Oh, Rhino est mort! Triste vie! Vas-y, Aaron! Oh putain, j'arrive plus à le faire. C'est pas grave. Mega évolution, point boost! Lucario! Kill! Oh! C'est le kill. Reçoison. T'es fort, toi. Oui, t'es vraiment fort. Je suis fort. Oh. Incroyable. Tu me plais bien, j'espère que nous nous reverrons. Re-bande de vilains pas mort, re-Wolfried. Bonsoir les petites couillas, ça va. Salut Egon, comment tu vas? Zut alors. Comme si on les avait pas reconnus, MDR. Tu as déjà réglé leur compte aux mystérieux intrus? C'était notre travail, normalement. Bah, plus de super-héros, ça veut dire une meilleure protection pour les habitants de Kalos. Entre collègues, on peut s'entraider. Tiens, laisse-moi soigner ton équipe. Merci. Tu formes une équipe héroïque avec tes Pokémon, mais attention à ne pas jouer dans la cour des grands si tu n'en as pas l'étoffe. Pour assurer tes arrières, prends donc ceci, collègue. Des guérisons, ok. Ça va bien, un peu fatigué après le boulot. Tu m'étonnes, Egon, tu m'étonnes. Grâce à toi, le courant est revenu à Illumis. Ce qui veut dire que la porte sur la route 13 devrait fonctionner à nouveau. Je crois que nous n'avons plus rien à faire ici, au revoir. D'accord. Bah d'accord. Qu'à se barrer, hein. Je demande Lucario en 8G. Il apprend pas une attaque qui appelle pour se faire G-Max en CT ou naturellement. J'ai rien compris, Evan. C'est pas grave.
Allez, plus qu'à retourner à Illumis, les gars. Quel plaisir. Casse-toi avec rencontrer des autres joueurs, là. Ta mère. Wouhou. On se casse. En plus, y'a plus de tempête, quel plaisir. Wouhou, c'est par là. Ah, 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 porte. Oh. Je lui fais une voix comment, les chats? Le chat, là, c'est... Là, c'est L, un des L Goto du jeu. Faut que je fasse une voix de ouf. Mais je lui fais une voix comment? Faut que je fasse une voix de dingue. Mais je lui fais une voix comment, le chat? Une voix grave. Une voix grave. Qui fait peur. Ok. Ah, le Pokémon. Non, non, quand même pas non plus. Ah, le Pokémon. Voilà. Là, c'est bien comme ça. Est-ce que comme ça, c'est bien? Est-ce que comme ça, c'est pas mal? J'espère dans Pokémon AZ, on aura plus d'infos sur lui, évidemment. Ok. Le Pokémon. Le Pokémon fleur. Le Pokémon fleur immortel. Ah d'accord, c'est tout. C'était rapide mais efficace. Ah ouais. Let's go. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont sur Twitch, n'hésitez pas à venir sur TikTok, n'hésitez pas à venir sur Twitch comme d'habitude. Grand écran, meilleur asset, la commu incroyable quand elle est connectée ou qu'elle ne dort pas ou qu'elle se touche pas la nuit, évidemment. Et vous avez 100% des lives parce que tout simplement nous avons certains lives qui sont ban sur TikTok à cause soit du jeu ou des musiques. N'hésitez pas à venir sur Twitch, on vous accueillera avec grand plaisir parce que là en plus, si les gens sont connectés, donc ils pourront vous accueillir avec tout l'amour que vous méritez, évidemment. N'hésitez pas. Zorakvos! Oh non, pas elle! Non! Non! Pas elle! Pas elle! J'étais... sûr que c'était toi. Mais Dodo, j'ai... Light, j'ai couru. T'as entendu? Ils ont fait rétablir le courant quand même. Il paraît que quelqu'un... Oh putain, j'ai envie même de me niquer là, à faire sa voix à la con. Attendez. C'est bon. Il paraît que quelqu'un a expliqué des bonnes manières aux affreux qui volaient le courant de la centrale de Kalos. Je me demande bien, voilà, je me demande bien qui c'est. Quelqu'un te dit de mon admiration, non? C'était moi. Zorakvos, c'était toi? T'es trop sans sas. Bon, on va pas passer par le réveillon là-dessus. L'important, c'est qu'ils vont rallumer la tour. On y va, Zorakvos, c'est LE truc à voir dans cette ville. Ok. Par ici, tout droit, on trouvera la fameuse tour prismatique. Meurs! 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 Connasse! Meurs! On peut plus de toi avec ta sale gueule! J'en peux plus, j'en peux plus. Terrifiant le ref à 40 piges. T'es Serena est mieux pour le héros que elle. Evan, tu parles pas encore français, hein. Ferme-moi les yeux, on dirait tu lis un livre Peggy 18. Ah d'accord! J'aime pas ça dans les jeux. Oh non, elle est nulle. Quel timing! On dirait qu'ils vont l'illuminer la tour. Ah, mais célèbre, le champion d'Illumis, tu te rends compte? On dit que c'est un génie qui a inventé, fabriqué plein de machines. Wouhou! Tu sais quoi? Ces deux personnes sont mes amis. Et oui, je sais, je suis pleine de ressources. Ah oh, putain, il faut lui faire une voix encore plus aiguë. Alors, c'est bon, non? Il faut que je vérifie le système d'éclairage, sinon... Sana, bonjour! Et qui est avec toi? Un challenger, n'est-ce pas? Je suis désolée de te faire ça sur toi, mais il va falloir attendre. Alors, frérot? Parfait, préparatif terminé. Voilà le moment où la science va ouvrir la voie. Système d'éclairage prismatique activé. Oh, la voix de l'aime est digne d'un gnome Warcraft MDR. Salut Kikiax, je t'ai dit bonne chance pour rien. Merci Maël, à toi. Bonne soirée. Il a l'air à fond dans son truc, non? Et un nouveau souvenir inoubliable pour nous, Zorakvos.
Résultat, conforme aux prévisions, le système d'éclairage prismatique peut rejoindre la grande famille de mes réussites géniales. Bon, frérot, et ce challenger, tu sais, ce garçon, il attend toujours, hein? La tour prismatique, cette gigantesque tour devant vous, est l'arène d'Illumis! Les machines de l'Ève sont drôlement impressionnantes, et moi, j'en ai reçu une! Elle sert à résoudre les puzzles, mais je me vois mal l'utiliser. Ce serait insultant pour une pro des casse-têtes comme moi. Allez, bon courage pour l'arène! Ça a tout fait la tour du Miston. Oui, totalement. Ok, là, on part là-dessus. C'est parti. Oh putain, ça qui est style arène. J'avais oublié. Encore oublié. Cette voix, mais au scolu. Eh frérot, on fait ce qu'on peut. Hein. J'espère qu'on aura la scène du combat final comme après le match Sacha contre Alain. Oh. Sans... Ah, c'est toi le dresseur dehors, hein? Tu es venu pour le badge, je vois. Je m'appelle Clem, je suis la petite sœur du champion. Si tu veux rencontrer mon frère, il faudra d'abord résoudre mon quiz. Pour ça, c'est facile. Tu avances jusqu'au podium sur la dalle blanche et je pourrai commencer à te cuisiner. Question. Quel est ce Pokémon? It's Pikachu! Non, it's Clefairy! Fuck! Et maintenant, il suffit d'aller parler au dresseur dont le numéro correspond à la bonne réponse. Ah, le 3. Pikachu, tu es sûr de toi? Oui! Avant de vérifier la réponse, faisons un combat de Pokémon. Sofiane! Oh, ils ont des dédaines, les fils de... Ah non, ça, c'est dédaines. Putain, dans ma tête, c'était Molga. Pouvoir antique. Je suis trop bête Pokémon, c'est lequel qui a une attaque sol déjà dans ma team? Ah y'a Aaron, putain quel con. Vas-y Aaron. Ah oui d'accord. Charge os. Aaron 34, 37 pardon. Salut Azeroth, comment tu vas? Moi d'abord, ouais, non, on s'en fout. Sofiane Lécoy a perdu. Bon bah écoute, c'était facile. Hein. Parfait, maintenant direction l'ascenseur. Hey, on sait que c'est la bonne réponse. Hein. On est pas con, hein. C'est encore ce que c'est un Pokémon. Hein. Tu as trouvé que c'était un Pikachu, bravo! Pikachu! Salut Miroquette, à la prochaine! Salut toi, Mister, tranquille, tranquille. Question! Quel est ce Pokémon? Oh la musique! Les Pokémon oiseaux, il y en a de toutes les formes, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris, tu penses que cette silhouette est celle de Pince Rouge? Oui. C'est une arène, il faut bien s'y battre à un moment. Jour de deuil les gars, il n'y a plus rien qui va, évidemment. Raichu, envoyé par Lala, la dresseuse. C'est parti, hein. Sorry, moi j'ai une excellente nouvelle, vas-y Cataclysme, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, c'est une bonne nouvelle pour qui? Pour toi ou pour moi? Méga évolution, charge os. Wow. Let's go.
Rien d'excellent pour toi, malheureusement. Je prends mon premier appartement. Nice! Mais c'est trop bien, mec! Content pour toi? Ça fait plaisir? Durandaru 38, Rhinopharyngie 34, Tyranidur 38. Let's go! C'était pas trop joué, on s'en savait, on n'est pas con. Hein. Je quitte le live pour ne pas me spoil, je me mets à jour YouTube ce soir et je viendrai sur le live demain. Ok, Kata, qui se passe aussi. Putain, demain c'est l'anniv de mon père, j'ai oublié le cadeau, c'est pas grave, je lui offrirai une porte à porte-clés. Allez, bon bye Brian. Question. Qui est ce Pokémon? Flotajou, donc c'est le troisième. Il va m'envoyer quoi? Faramp. Oh, joli Pokémon. J'aime. Je n'aurais pas trouvé celui-là PTDR. Ah merde. On a refait la 5G il y a pas longtemps les gars, c'est normal. Méga évolution Chargeos. Excusez-moi, je me remets tranquillement. Voilà, Bruce. Oh, oh putain, il est torqué sa mère. Je suis en méga évolution Faramp, hein. Oh non. Mais non, mais vous êtes pas la team Flair, vous êtes la reine de type électrique. Te chie pas, Aaron. Aaron, on croit en toi. Oui, il est plus confus. Le troisième. Non, il en a fait deux. Aaron, Aaron, tu as trollé, tu es un trouleur, putain de merde, tu es un trouleur. Ah, le trouleur de fou. On va envoyer The Gout qui va défoncer l'arène, c'est bon, The Gout là il est vénère, il a vu ses potes crever un à un, pied du sol. J'aurais pris une petite barbicha pour cette arène. Allez, 39. Avec 30, il a 6, mais bisous. Ah ouais, pas bête. Intelligent. Allez, direction ascenseur. Il y en a combien des trucs comme ça de quiz? Je sais plus s'il y en a 3 ou 4. J'espère qu'il y en a que 3. C'était flottajou, classique. Ok, il y a encore un round. On va envoyer The Gout. Il évolue quand le petit Niosaur? Level 39, donc là il reste un level. Question. Quel est ce Pokémon? Papillusion. Ah non, Prismillon. What? Et pourquoi il me donne les trois? Pareil, c'est trois Pokémon, lequel est Prismillon? Ah les bâtards. C'est le deuxième. Ah putain, je m'y attendais pas au début, j'étais en mode bah, attends, mais pourquoi il m'en montre 3? Faut que je nomme les 3. Posipi. Oui. Megapi, oui. Chevroom. Pieux du sol. Allez, one shot, ça dégage. Negapi. Negapi. Voilà, on a battu Estelle, hein. La Pokéfan, dommage. Dommage Estelle, fallait être meilleur. Parfait, maintenant direction l'ascenseur. C'était la bonne réponse. Ouais, on s'y attendait pas. Wouh, c'était tellement dur. Prismillon deuxième, on sait. Ah, petite sauvegarde, allez. On va le défoncer. Ah,
merci encore d'être venu. Permets-moi de me présenter. Et voici le champion d'arène d'Illumis, Lem. C'est bon, tu as bien retenu? Comme c'est le champion, tu penses bien qu'il est drôlement costaud. Clem, calme-toi un peu. Je te rappelle que ce sont mes Pokémon qui vont se battre. Je sais. De toute façon, je suis certaine que vous allez livrer un beau combat. Alors, dresseur, tu es prêt? Il va falloir donner le meilleur de nous-mêmes. Lem, le champion veut se battre. Emolga, oh non! Pas ce Pokémon de gros Ux! Non! Envoyez, Rhinopharyngite. Oh, le point poison! Chez, Emolga, chez! Chez! Connasse. Rhinopharyngite, tombe roche! Fait mal, hein. Coup critique, évidemment, c'est pas drôle. Vitesse baissée. Rhinopharyngite, tombe roche encore une fois. Hyper potion, ok. Il sera assez... Là, normalement, il sera trop lent. Et donc, du coup, derrière, prochain tour, je suis plus rapide, je le baisse. Parce que là, il a moins 2. Je pense que moins 2, quand même, il devrait largement être moins rapide que Nidoking. Tombe roche! Voilà! Magneto! Magneto, il a pas encore lévitation normalement, hein, donc ça devrait être bon. Vas-y, The Goat! Utilise Piétisol! Fermeté? Ah non, pas du tout. Champ électrifié, ok, ça va être chiant. Plus dégâts des attaques électriques si je ne m'abuse. Piétisol encore une fois! Hyper potion évidemment. Un petit coup critique? Un vrai plaisir. Magnézone, très bon Pokémon je trouve. Magnézone, je l'aime bien, je trouve qu'il est stylé. Piétisol encore une fois! Bah, ça dégage. Igualtor, regarde. Piétisol! Oh, il a tonnerre. Oh, les dégâts incroyables. Refais Piétisol! Et termine cette arène, ce goat, oui! Easy! Easy! C'était propre. Rhinopharyngite 35, let's go. Oh, mania. Ouh, un peu de puissance. Ton jeu Pokémon préféré, bah tu as des bons goûts, Romain. Tu as des bons goûts. J'ai des idées, des tas d'idées. Merci, tu as rechargé mes batteries. On était bon. Showroom, c'est tellement Pokémon sous-côté de ouf. Frérot, tu as perdu. Clem, ce n'est pas honteux de perdre. Si mon équipe perd contre quelqu'un, c'est l'occasion pour nous d'apprendre quelque chose. Bien, en souvenir de ta victoire, voici le badge Tension. Let's go! Et pour le Twitch, allez, allez! L'MKO! Oh! J'ai tellement le simple quand j'ai appris que ZA c'était pas un remake. Mais trop bien justement! On va en apprendre encore plus sur la région, mec! Tu vas avoir des nouvelles histoires à découvrir! Salut BHZ, comment tu vas? Xerneas ou Yveltal? Xerneas. Grâce à ce badge, tu peux considérer tous les Pokémon jusqu'au niveau 70 comme tes amis. Quant à cette capsule technique, c'est assez étonnant. C'est la CD Tonnerre, pardon! Ok, c'était Tonnerre.
Clem, j'ai une vision. Je vois le futur. Une machine qui distribue les CT, un rêve mécanique, mais... J'ai d'autres buts dans la vie que de vouloir toujours plus, toujours mieux. À côté de mes inventions adorées, j'ai aussi envie de profiter de chaque jour avec mes Pokémon. L'MKO, exactement. Comment je sors? Ah, comme ça. Rez-de-chaussée. Reshiram ou Zekrom, compliqué. Reshiram, je dirais quand même. Bien, bien, ça va, tu as digéré le coup de... Ouais, on va éviter d'en parler, mon petit BHZ. Mais oui, oui, on a digéré, t'inquiète. Pour moi, légende Z1, ça va être pareil que légende Arceus. Bah, si c'est pareil, mais en bon, ça peut être bien déjà. Tout va bien, parfait. J'aurais besoin de te parler rapidement. Rendez-vous au café Lysandre. Pour le trouver, c'est facile. Tu vois le centre Pokémon le plus proche de la tour prismatique? De là, tu devrais pouvoir voir un café avec une devanture rouge. C'est là. Pour y aller à coup sûr, tu peux aussi prendre un taxi. À très bientôt. Ouais, bah tant mieux, c'était mieux. Ah oui, bah oui. Alors, on va peut-être aller se soigner. Normalement, je crois que le... Ouais, le centre Pokémon est là. Scale simulateur. Alors, si tu veux parler d'émulateur, c'est Citra, les gars. Ce Pokémon, la musique que du souvenir tellement. Incroyable. Et voilà, hop. Et voilà, Timon est comment? Putain, petit radiateur qui a toujours pas évolué. Hein. C'est quoi ton Pokémon légendaire préféré? Ton Pokémon préféré sans légendaire? Alors, pas légendaire, Lucario. Légendaire, Lugia. Fabuleux, Manaphy. Putain, mais j'ai aucun Pokémon qui pourrait prendre vol, bordel. Faut vraiment que j'en achète un, que j'en attrape un, putain de merde. Je vais quand même en avance sur son temps, faut le dire. Ah ouais, mais il est incroyable. On peut plus installer Citra. Oui, mais je l'avais avant. Attends, mais c'est la team mes couilles. Incroyable. C'est ça le café? Exactement. Par ici. J'avais justement une conversation avec Monsieur Lysandre à propos des méga évolutions que tu étudies. Je tenais à livrer mes félicitations aux personnes. Les méga évolutions, voilà bien une chose que je souhaiterais fort pouvoir mettre moi-même aussi à profit. Monsieur Lysandre est de sang royal, c'est un élu dans tous les sens du terme. C'est exact, je suis, ou plutôt je serai, le descendant du roi par la branche cadette. Mais tout ceci remonte à plus de 3000 ans, je ne me berce guère d'illusions sur cette antique hérédité. Zoragvos, au fait, sais-tu où sont produits les holokites? Oui. Mazette, une tête bien faite et bien pleine. Eh oui, dans les laboratoires Lysandre. Monsieur Lysandre est un véritable mécène des temps modernes. Il utilise les produits tirés de l'holokite pour financer des dresseurs et la recherche Pokémon. Les gens sont pareils aux deux... Pokémon légendaires de Kalos. Il y a ceux qui donnent et ceux qui prennent. Mon devoir est de rester dans les mémoires comme le dispensateur, celui qui aura fait la différence. Hélas, en ce monde, d'imbéciles parasites croient nécessaire de déposséder et de prendre pour leur force, pour montrer leur force brute. Ils sont révoltants, ils sont les rebuts de l'humanité. Dans un lointain passé, le roi de Kalos a fait construire une arme au pouvoir inconcevable. Et dans le but de s'approprier le monde, il aurait fait étinceler les flammes de la mort. Du moins, c'est ce que rapporte la légende. Aujourd'hui, Kalos est resplendissante au pinacle de la beauté. Si ni Pokémon ni humains ne prolifèrent davantage, aucune action insensée ne viendra bouleverser cet ordre parfait. Mais le futur est incertain. Comment savoir si demain sera identique à aujourd'hui? Quant au roi, peut-on trouver des circonstances atténuantes à son geste? Certainement. Grâce à l'arme suprême, il a effacé toute la laideur qui défigurait le monde à son époque. Oh, la roche royale. Dialga, Palkia ou Giratina? Giratina, évidemment. Tu as refait combien de fois Pokémon X? Ça doit être la 2e ou 3e fois que je le fais. Voilà que je me laisse emporter à nouveau, mais encore merci pour ton temps et ton attention. Garde cet objet, je te le laisse pour me faire pardonner de t'avoir retenu. Quelle fougue, quelle passion, quel orateur! Et il a une telle chaleur qui se dégage de lui comme un brasier. J'ignore que c'est la fierté de son lignage. J'imagine que c'est la fierté de son lignage qui parle. Mais les paroles de Monsieur Lysandre n'expriment en réalité que son point de vue, pas forcément la vérité. Bah,
Zorak bosse mon mignon, souviens-toi que le plus important, c'est le temps que tu passes avec ceux qui te sont chers. Profite bien de tes Pokémon pendant ton voyage à travers Kalos. Salut petit Ness. Tu feras Pokémon épée bouclier? Oui, parce qu'on fera tous les jeux. J'ai reçu un appel Lolo Kit. Ouh. Oh non. Cela faisait longtemps. Je voulais t'avertir que nous sommes donné rendez-vous sur la route 14. À plus tard. Trop vato, la couille. Là. La question est, compte sortir d'autres Pokémon à l'avenir ou pas? Ah bah oui, MDS, c'est Pokémon Company. Hein, t'as déjà fini? Ouais, oui. Ouais, j'ai déjà fini. Au niveau de la carte, route 14, c'est où? Ok. Les hantés. Merci Lugia le 2000 pour le follow Twitch. J'espère t'en retrouver sur les différents lives de la chaîne. Extrêmement plaisir, merci à toi. Trovato et l'autre danseur, ils sont tellement chiants, ils servent à rien. Oui. Route 14, c'est par là? Je sais plus. Route 14, c'est par là. Oh, vous savez quoi, le chat? J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez été sage, le chat? Que ce soit sur Twitch ou TikTok, est-ce que vous avez été sage? J'ai l'impression de moins entendre parler de Pokémon ces derniers temps. Oui, bah écoute. Oui. Eh bah, vous savez quoi? On va aller jusqu'à la 6ème arène. Je fais avec vous, en une session, on fera 3 arènes. On aurait fait l'arène de type plante. On aura fait l'arène de type électrique. On va faire l'arène de type fée. C'est parti. Voilà, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est cadeau. Zorak Vos! Ah non, c'est l'autre. Zorak Vos! Putain, j'ai plus. T'es rapide. J'ai plus la voix. Sorivos. Ah, tu tombes bien, nous étions en train de comparer nos Pokédex. Sans surprise, c'est moi qui ai le plus fourni. Chacun son métier, les écrémeux seront bien gardés. Je pense que tu es sans conteste, le spécialiste du Pokédex. Aussi, je n'aime pas trop lorsque tout le monde cherche à faire la même chose. Sorivos, j'aimerais que nous fassions encore une comparaison. Toi et moi, cette fois sur le Pokédex du monde Kalos. C'est ma façon à moi de faire des combats Pokémon. Tu as vu 7 Pokémon, c'est plus que moi. Ah putain, j'en ai vu 7, c'est plus que lui. Il doit pas être trop fou, hein. C'est... Pokémon X, beaucoup, ils sont beaucoup trop cotés, ils sont incroyables. À l'aide, j'essaie de me remettre au jeu 3DS, mais j'y arrive pas. Triste vie. J'espère que ça vous... Oh là là, les joueurs, ils sont tellement chauds, là. Vous êtes tellement contents. Kalos regorge tes Pokémon, décidément. Bon, à mon tour, Zorak Vos, j'aimerais me battre avec toi. Encore? Mais je l'affronte toutes les 2 minutes. Mais... Je l'affronte tous les jours, elle. Bon, merde. Mais elle veut ton cul, mes frères. Elle veut mon cul, elle veut tout ce que je veux. Elle te drague. Ah, let's go. Mur lumière. Piétisol. C'est pas beaucoup de dégâts. Les jeunes de bataille. Exactement, Ragondin. Durandalu, vas-y. C'est quoi le défi? Pas de défi. On fait juste un marathon Pokémon, on fait tous les jeux Pokémon qui existent. Ensuite on fera tous les hors-série Pokémon Donjon Mystère, Pokémon Ranger, Pokémon Stadium, etc. Et ensuite on fera plein de fangames et après on commencera les challenges. Elle aime beaucoup se battre avec toi. Peut-être qu'elle veut que tu lui fasses des RKO. Oh, pas bête. Tranche-lui du Lundalu. Oh merde. Ah ouais, du Lundalu. Non, j'aurais dû faire ombre portée, quel con, c'est pas grave. Juste au PC, oui. Serena, arrête-toi, tu sers à rien, exactement. Et level 39 pour du Lundalu. Du Lundal. Il y a beaucoup de toute façon, si tu veux lui faire KO, je m'en charge, t'inquiète. T'as fait un tuto? Non. Merde, putain, c'était qui? J'ai pas vu. Oh, merde. Absol, c'est bon. Taya Durandalu. Oh, merde. Il est plus rapide que moi, faut que je change.
Merci Louis Titi pour le follow Twitch. J'espère te voir sur tout le for live de la chaîne. Avec son plaisir, merci à toi. Il va faire morsure. On va faire ça sur petit radiateur. Comme dirait Aurélien, la seule connerie que le docteur a fait, c'est de créer des rivaux. Évidemment. Tyrannidur Dracogriffe. Oh là, dans Slam. Non, je déconne, ça va être facile. Et voilà. Level 39. Amphinobi, évidemment, on change, on envoie The Gout. D'ailleurs, tu feras comment pour le gameplay des Pokémon Ranger vu que certains l'intégrité de ce feu stylé. Et regardez, surprise, une souris. Et une souris, regardez, ça permet de faire comme un stylet. Oh, les gars, j'ai fait Inazuma, hein. Bon. La danse slam qui sert à rien s'il est mort. Exactement. Canon graine. One shot. Que des faiblesses de chaque type ou pas totalement. Il y a certains types où je peux hésiter. Mais en soi, oui, je connais quand même. La plupart. Bien joué, Serana. Moi, je voulais tellement voir un remake de Pokémon X avec Zygarde sur Switch. Mais peut-être qu'on verra. On verra peut-être Zygarde, mon cher Rome. J'apprécie de me battre contre toi, mais si c'est pour perdre à chaque fois. Bah, t'es juste nul, écoute. Sorry, hein. So, déso, pas déso, hein. T'es nul à chier. Hein. Oh non. Oui, je sur Citra, les gars. Ouais. Oh, c'était intense et très serré. Oh, tu nous regardais faire. Au fait, et Titi, il est passé où? Il est au dojo. Hein, le dojo? Pardon. J'étais à mon concours de danse de combat. C'était mortel. Mais j'ai pas vu l'heure. Au fait, Tierno, as-tu rencontré de bons candidats pour ton équipe de Pokémon dansant? Oui, je vais bientôt avoir mon groupe de backup idéal. Ah, je suis si content. Au fait, puisqu'on est dans le coin, j'aimerais passer par la maison hantée. Oh non. Non. Pourquoi? La maison près du Romain-sur-Bois? Ce n'est qu'une rumeur, tu sais. Et alors, espèce de rabat-joie, on n'a qu'à aller vérifier si c'est vrai. Sans moi. Je laisse les rumeurs aux autres. Je dois me concentrer sur les faits et mon entraînement avant de m'attaquer à Romans-sous-Bois. La même. Bye bye. Bon, vous avez peur? Allons-y, Tierno. Il n'y a pas de fumée sans feu. Cette rumeur doit bien avoir un fondement. Ah, d'accord. Oh, le type spectre, ils ont des backgrounds sombres. Arrive Youpi, ça exactement. Sorekvos, pourquoi voyages-tu? Pourquoi je voyage-tu? Tout le monde fait de son mieux pour atteindre son but, mais moi, je ne fais pas d'efforts. Je veux juste faire de beaux souvenirs, profiter du voyage. C'est déjà bien. Mais parce que je suis déjà formidable, hein? Oui, formidable, je suis pas sûr que ce soit le mot, je sais pas ce que vous en pensez le chat, hein, mais... Salut, c'est bien passé aujourd'hui, ça va mieux que depuis hier. Ouais, tranquille, Squan. D'ailleurs, c'est pas dans cette forêt, les gars, que vous m'aviez dit qu'il y avait la pierre nuit? Non, c'est pas ici? Au cas où, hein, parce que je vous avoue qu'exagile pour l'arène, ça peut m'aider. Hein. Oh putain, la putain de forêt, oh là là. Oh, mais qu'est-ce qu'il? Mais qu'est-ce qu'il? Comment veux-tu que je t'encule? Pardon, je me suis trompé. Émulateur, évidemment, Lennox. Oh putain, il est herbivore, le fils de... Bâtard. Faut quand même se dire que certains Pokémon type spec qui kidnappent des enfants. Beaudrive, il les kidnappe aussi, ouais, il les attrape. Il se fait passer pour un ballon et il les envole. Il s'envole vers d'autres cieux. Ah. Rune purifiante. Oh, les oracles magiques, t'as vu ça, Lucius? Lucius Malfoy, bonjour. T'as quoi d'autre comme jeu sur Citra? Beaucoup. Beaucoup. Les jeux Pokémon, des jeux
Merci Rome62980 pour le follow Twitch. J'espère te revoir sur 2D4Life de la chaise avec son plaisir. Merci à toi. J'ai plein de jeux, Je vais pas tous te les nommer parce que j'en ai beaucoup. Oh merde. Bonjour madame. Je faisais bien de regarder aux guets, aux aguets. Je fais bien de rester aux aguets, pardon. Et Inazuma et Eleven aussi, Oui, et je les ai tous faits sur ma chaîne Twitch, les gars. On les a tous faits en stream, c'était insane, et tous ils dispo sur YouTube. C'était une dinguerie. On attend que maintenant le nouveau. Avec grande envie. On va envoyer mon cher Neuvilius. Mais après, dis-toi, il y a des trucs super sombres avec les Pokémon pour un jeu d'enfant. C'est vrai, après c'est que du background, tu vois. Ruby Saphir, non, X. Sur Switch. De quoi, le nouveau qui va sortir? Oui. J'essaie de me refaire Pokémon Ruby et Saphir, je suis bloqué. Ah, qu'est-ce qui se passe, mon cher Lucius? Sur téléphone, il est bien l'émulateur? Si t'as mon téléphone, oui. De ce que j'ai entendu. Allez, Arbok, ça dégage. Bonjour, tu ne cherches pas de Shiny? Non, mon cher Alpha Green, pour l'instant, c'est que du marathon. On fait tous les Pokémon de la logique base. Ensuite, on fera tous les jeux hors série. Pokémon Ranger, Pokémon Donjon Mixa, etc. Et ensuite, on fera des challenges et pourquoi pas aussi de la chasse. Mais pas pour l'instant. J'ai oublié de me soigner. C'est pas grave. On va faire la route dangereusement, toujours. Je sais plus du tout que faire après avoir battu notre père, a.k.a. Champion Norman. Tu vas à côté de la ville de... tu sais, du champion de l'arène de type électrique. Et tu traverses la mer à droite de la ville. Normalement, t'es censé y aller avec Timmy. Timmy te dit, ouais, est-ce que tu veux qu'on y aille? Tu traverses la mer, tout simplement. Salut Simon, salut Pausé, comment vous allez? Nemelios femelle, très bon Pokémon. J'aime beaucoup Nemelios en vrai, je trouve que c'est un très beau Pokémon. Avec un peu de chance, tu tomberas sur un peut-être. Ça fait 3 jeux qu'on fait les gars dans le challenge, on est tombé sur aucun shiny pour l'instant. Pas beaucoup de chance. Mais peut-être sur celui-là, on sait jamais. Hein. Ok, merci beaucoup, je reviens sur Twitch. Léon S. Kennedy. Oh oui, Lucius, vas-y, ramène-toi. N'hésitez pas à vous aussi venir sur Twitch, c'est la meilleure qualité, le meilleur grand écran et la commu de ouf. À la ville juste après, il y a la pierre nuit, mais il faut battre un sbire de la Team Flair qui la donne après la ligue. Ah merde, dommage. Salut ma Will, comment tu vas d'ailleurs? Léon Superman Kennedy, t'as vu ça? T'as Pokémon Ultra Soleil et Yo-Kai Watch 2. Oui, j'ai tout. Si Nemelios aurait une méga évolution, ce serait incroyable. Ah, Nemelios, j'aime beaucoup Pokémon en vrai, il est pas beaucoup apprécié, mais j'aime. Je trouve stylé, il est en flow. Le roi de la jungle. C'est tellement lent quand t'es dans les putains de marécages ici. Mon dieu. Non, je tourne. Oh, j'ai avancé trop tôt. Vivre sans rien faire, quel gâchis, ce combat va donner un sens à nos vies. Ah d'accord. Femelle ou mâle, les deux sont fous. Version noir et blanc 2 coûte cher, je trouve abusé. Pour ça que tu utilises des roms. Moi j'utilise des roms, hein, les gars. Comme ça j'ai pas besoin de payer les jeux. Sachant que j'ai déjà en vrai, donc moi je m'en fous. Mais c'est juste que c'est plus facile et plus agréable pour vous, autant que pour moi, de regarder ça sur un stream. Je sais pas s'il a herbivore lui aussi, on va voir. Il l'avait pas, parfait. Putain, il a pris cher. Hein. Plaquage, oh le bâtard. Pas de paralysie, merci. Moi je viens de voir une synchronisation entre TikTok et Twitch niveau son, ce qui est très bizarre. Quoi? Hein? J'ai rien compris, pas les données. Re-Zorak le magnifique. Mais Léon Scott Kennedy, comment tu vas? C'est pas risqué les liens à installer pour Citra. Ça dépend, faut faire gaffe. Qu'est-ce que tu veux dire, pas les données? Vous avez eu un problème son, les gars, sur le chat? Vous avez des problèmes, les gars? Je viens de avoir Zorak. Mais il y a aucun problème, mec. Non? Ok, bah, pas les données qu'il y a des problèmes cerveau, je pense. On sait que ça va. Ouais, mais sur Twitch, vous avez des problèmes, les gars? Problème de son? Non? Ok, bah. J'ai envie de dire, pas les données, tu es comme Jeanne d'Arc, mais pour le son, tu entends des choses. Tu entends des voix, tu entends des sons, mec. J'aimerais trop jouer avec des gens sur Citra, mais je connais personne. Bah, le problème, c'est que depuis qu'ils ont banni Citra, maintenant, tu ne peux plus jouer en multi, c'est ça le problème. C'est le seul truc qu'ils ont enlevé, du coup. On va envoyer Durandal, il y a peut-être moyen de faire quelques dégâts. Non, c'était un truc de mon côté où le son de TikTok et Twitch sont superposés. Et c'est pas possible, à moins que t'aies les deux plateformes en même temps. Mais pourquoi t'aurais mis les deux plateformes en même temps?
pense qu'il voulait dire qu'il y a un meilleur son sur Twitch. Non, c'est, il disait qu'en gros, c'est son TikTok et Twitch sont superposés, mais s'il a pas les deux streams en même temps. À moins qu'il y ait les deux streams. Ah, ils ont le même multi, pourtant, il y a pas longtemps, j'ai joué en ligne. Oui, alors, je vais vous expliquer le truc. Nintendo a porté plainte contre Yuzu, l'émulateur Switch. Parce que Switch, bah, c'est une console qui est encore utilisée. Ce qui s'est passé, c'est que Yuzu a perdu. Et donc, on fermait Yuzu et Citra. C'est-à-dire que l'émulateur Switch et 3DS sont plus disponibles. À moins que des gens vous redonnent des liens, etc. Parce qu'ils l'ont déjà, l'émulateur. Ce qui fait que du coup, que tous leurs serveurs online sont fermés. Il n'y aura plus de mise à jour. Il n'y aura plus de serveurs online. Vous pouvez toujours les utiliser si vous les avez. Mais techniquement, vous n'avez plus rien. Ok, Yuri Gojo, si tu veux, je ne vois pas le rapport avec ce qu'on raconte, mais c'est pas grave. Ryuji, qu'est-ce qui paraît, il est bien, mais un peu bordélique, un peu à gérer, je trouve. One shot! Tout à l'heure, ma mère a essayé de retirer le plastique de la jaquette Touquet. Résultat, elle a complètement déchiré la jaquette et elle a déchiré la tête de Cody sans faire exprès. On s'est éclaté de rire. Oh les bâtards. Bah de base j'étais sur TikTok, puis je suis passé instantanément sur Twitch. Et du coup vu que j'étais avec une patch TikTok sur mon téléphone qui était ouvert, bah ça fait bugger sur le son en superposant les deux. Ah ok. C'est peut-être mieux que Yuzu, mais à ce qui paraît, ouais, c'est moins opti dans la manière de l'utiliser. Dans le sens où c'est beaucoup plus galère à ce qui paraît. Après c'est ce que j'ai entendu seulement. Moi perso j'avais testé sur Yuzu le dernier Pokémon, Dragon Quest Monster, là le Prince des Ténèbres, j'avais trouvé qu'il était vraiment bien opti pour le coup. Ça dépend des jeux, c'est Citra mais pas la ROM, ça marche si je la télécharge. Oui oui totalement, le seul truc qui a été banni les gars c'est Citra hein, entre guillemets. Et le seul truc que ça a eu comme rapport, truc, c'est qu'en gros vous pouvez, il y aura plus de matchs et que vous pouvez plus utiliser multi. Si vous avez toujours l'application c'est toujours bon. Faut que tu joues à Pokémon Fusion un jour, c'est ultra bien. T'inquiète, on le fera. Par ici. Mais non, mais je veux pas aller à votre putain de maison hantée de mes couilles. Prenez-la vous dans le cul. Oh. Voici la fameuse maison hantée. Oui, elle a l'air inquiétante. Bon, on y entre. Non, j'ai pas envie. De quoi? Rentrer là-dedans, pour de vrai? Serena est occupée à entraîner ses Pokémon et j'ai envie de vérifier si cette rumeur est fondée. C'est le moment idéal. Trova raison. Vérifions. En fait, Nintendo, il compte nous baiser jusqu'au bout. Eh frère, tu as découvert que ça que maintenant? Nintendo, c'est des putains de conservateurs. Hein. Dès que tu vas pas dans leur sens, ils sont pas contents. Dragon hein. Quest, je viens d'acheter la quête de Dai. Je trouve qu'il est bien, personnellement. J'ai un peu du mal avec la quête de Dai. De ce que j'ai vu, c'est 10 minutes de cinématique pour 3 minutes de jeu. Sachant qu'en plus, il va même pas jusqu'à la fin. Le jeu est pas vraiment terminé. Quoi. Et le truc, c'est que le principe de Dragon Quest, et ce qui fait l'essence de Dragon Quest, c'est l'exploration. La quête de Dai, c'est littéralement que des combats à la suite. Il y a pas d'explo. Je comprends pas le principe, en fait. Un moment, on va revoir sa maman ou pas? De quoi, à qui, Cosmos? Roxenetis, comment tu vas? Alors, écoutez-moi bien. C'était il y a fort longtemps. J'avais perdu mon chemin à cause de l'obscurité ou d'un excès de confiance. Toujours est-il que mes pas m'amenèrent jusqu'à cette sombre demeure. Sombre est le mot, car il faisait alors nuit noire et la pluie glaciale battait les carreaux. Surtout, aucune lumière ne semblait fonctionner. Aussi, je cherchais à tâtons dans les ténèbres. La maison désolée abandonnée, plongée dans un silence oppressant même, semblait me guider jusqu'à la cuisine, parce qu'il pensait que j'étais une femme, et qu'évidemment, la place de la femme est à la cuisine. Oh pardon, excusez-moi, je digresse, j'ai encore raconté des conneries, je suis vieux, je... Ouh. Une bonne mousse au chocolat devant ton live, c'est génial. Mmh, oh le bâtard. Moi ça va, je acknowledge mon chef de la tribu. Évidemment, on a la ref, évidemment. Il a quand même pas abandonné pour chasser Pokémon. Eh frère, normal. J'ai pas envie de voir les gens de ma classe lundi, c'est souvent. Eh frérot. J'y découvris un réfrigérateur que je m'empressais d'ouvrir afin d'avoir enfin un phare, quel qu'il soit, dans cet océan de nuit. Une lumière électrique et faible se diffusa aux alentours, me révélant l'environnement immédiat. Stupeur, un homme se tenait recroquevillé dans un coin. Le propriétaire, pensais-je, je dois lui expliquer ma présence incongrue et lui demander asile pour la nuit. Je m'approchais de lui pour lui faire part de ma requête quand soudain...
L'homme se mit à hurler, n'approchez pas! Petite glissade maîtrisée, on a rien entendu. Oh! Continue, c'est ce que tu fais, t'es un bon. Oh, merci! Dans 3 mois, c'est déjà fini les cours choqués. Oh là là! Choqué, choc barre de baiser, comme disent les jeunes. Je me confondis en excuses pour mon intrusion nocturne et inopinée, lui demandant son aide juste pour la nuit. Imbécile, pas toi, cria-t-il. Choqué, je le dévisageais fixement. Alors, avec un regard fou, il me demanda : Tu ne les vois pas derrière toi ? La foule des gens sans visage ! Personnellement, j'ai commencé par Pokémon Argent sur Game Boy, puis. Ouais, la même, moi j'ai commencé avec Argent aussi. Bon, vous frissonnez déjà ? Pas la peine de s'éterniser là-dessus. À la fin, tout le monde disparaît. Passe au plus important votre générosité, car tout travail mérite salaire. Et qui sait ce qui arriverait si vous manquiez aux bienséances ? Parce que c'est payant ? C'est pas parce qu'une maison est tentée que le loyer est au bon marché, au contraire ! Non. Tu voudrais faire doubleur de dessin animé, j'aimerais bien, hein, mais j'ai pas le talent. Quelle arnaque, quittons ce 3 ratata en vitesse. Quoi, c'est déjà fini? Oh, désolé, je répétais dans ma tête. Je me demande si cette histoire est vraiment arrivée. Putain, mais c'est que des cons, mais que des cons, mais que des cons et des connards, et des cons, et des cons, et des cons, et des connards. Que des cons. Cette maison me donne des frissons, mais c'est pas ce que j'espérais. C'était toi qui voulais y aller, Sana. Et puis, c'est un peu comme si nous étions allés faire du camping, à se raconter des histoires effrayantes autour du feu de camp. Vos trucs affreux, tout sombres qui font peur, j'en ai ma claque. Je retourne l'entraînement, à plus. Bon, et maintenant, Romance sous bois, ce nom sonne tellement romantique. Je crois que c'est ça qu'elle a dit, mais j'ai mal lu. Zoragvos. Zoragvos, il faudrait que l'on compare nos Pokédex à nouveau la prochaine fois. Deuxième, Ruby. Après, j'ai énormément sauté jusqu'à Let's Go Pikachu. Ah ouais, moi c'était Pokémon Argent et ensuite Diamant. Et après, je les ai tous faits. Tous. Oui, Romance au bois, let's go. Vous savez quoi les gars? Parce qu'on est des fashion victimes, on va aller faire du shopping. J'ai envie de me changer un peu le skin là, parce qu'on a même pas changé notre tenue depuis le début. On a pas changé notre tenue là, faut avoir un petit truc là, faut faire un truc. Mets-toi sexy là, ok, on va essayer de se mettre sexy. Je sais même pas ce qu'il y a ici, est-ce qu'il y a des... Oh. C'est votre première visite dans notre boutique, n'est-ce pas? Pour commencer, sélectionnez les articles qui vous tentent au fond du magasin. Sors le béret, Zoragvos. Oh, let's go, mec. La France, la France. Ah, mais il y a vraiment un béret. Putain, il est moche. Hein. Ouais. Moche. Pas ouf. Ouais, c'est pas les meilleurs. C'est pas la meilleure boutique. Hein. Personnellement, je laisse la tenue originale. Ah, frérot. Oh là là, ouais, c'est bon. Ah là là, on vient de gagner du flow. Il manque plus qu'après à faire d'autres choses, mais c'est pas mal. Ça vous va ravir? Oui, bah, je les achète, oui. Tout à l'heure, tu faisais la voix d'une fille qui était essoufflée, celle que tu détestes. J'avais pas compris au début et je me suis dit. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Eh frérot, on y met nous on y met tout ce qu'on a. A très bientôt. Pokémon Master, ils font des tenues exclusives. Ouais, j'ai vu. Par contre, les vêtements sont faits avec quel Pokémon? Je ne donnerai pas l'info. C'est parti pour l'arène de type fée. Alors, normalement, les faiblesses du type fée, c'est acier, je crois, si je dis pas de la merde. Acier. Et attends, mais il est pas censé le... Il est pas... Attends, mais il était level 39, Tyranidur, il est pas censé évoluer? J'avoue, attendez, mais pourquoi il a pas évolué, Tyranidur, il était level 39? Yo, One More Fleur, comment tu vas? Attendez, les gars, c'est normal que Tyranidur, il a pas évolué? Merci, One More Fleur, pour le follow Twitch, j'espère te revoir sur tout le monde en live de la chaîne, dès que c'est en posé, merci à toi. Alors, le problème... Eh putain, est-ce que j'ai des CT qui traînent? Attendez... Faut le faire au jour. Oh putain, ouais, ok. Ah, ténèbres, acier, spectre. Ok. Rogue le best. Évidemment, One More Fleur, évidemment.
tombe roche, flash, point boost. Une herbe, tonnerre. On va lui mettre point boost déjà, Nidoking. Vous êtes sûr, un spectre ténèbres, les gars, hein, pour fée, hein. Vous dites pas de la merde, hein. Parce que bon, le nombre de merde que vous balancez des fois dans le chat. Vous êtes pressé pour le nouveau jeu Pokémon ZA. Qu'ils prennent leur temps et qu'ils fassent un truc propre. Griffon, on va la prendre à Aaron. Je sais pas, c'est les gens qui disent ça dans le chat, hein, excusez-moi, hein, mais bon. Non, acier poison pour matraque le fée. Ok, y a que ça, oui. Ok, bah c'est bien ce que je me disais. Et y a des gens, ils ont dit c'est acier, ténèbres ou spectre. Acier poison, oui, on est d'accord, acier poison, ok. Merci. Ouais, je suis pas con encore. Alors, le problème. Alors, attendez. Reotaku. Le problème, c'est que j'ai rien en fait d'efficace contre. J'ai Darvenin et Nidoking, mais ça fait zéro dégâts. Je vais devoir faire l'arène sans truc super efficace. Ah ouais, 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 ouais. Ça va être folklore, les gars. Ça va être folklore, let's go. Record, Gorbus, comment tu vas? Bon, par contre, ce qui me casse les couilles, c'est que l'instabilité qu'il y avait sur les lives TikTok, il y était plus maintenant et ça revient. Merci Frosted GSS pour le GHS, pardon, pour le follow Twitch, je vais te revoir sur toutes les 4 lives de la chaîne, excusez-moi, merci à toi. Putain, c'est chiant, il y avait plus de problèmes avec les lives TikTok et là il y a des problèmes maintenant, c'est chiant. Très bien, et toi, tranquille. Salut Vengeurgar, comment tu vas? T'es chaud de faire un shiny avant la ligue dans ce jeu Pokémon? Oh là là, ça va être chiant, hein. C'est parti pour l'arène où on a aucun truc qui est super efficace, ça va être chiant. C'est parti. J'espère qu'il y a un de mes Pokémon qui va au moins apprendre une technique. Ce serait bien. Ça va être toi, beau gosse. Tranquille, tranquille. Tisse toutes les versions d'Evoli. Oh! Oh! Tiens, il dure évolue normalement niveau 40 pendant la journée in-game normal. Ok. Par contre, on peut plus faire de cash-in pendant les matchs en mode univers. Maintenant, j'arrive plus. Ah! Dommage, t'as pas Lumido Canon, mais je l'ai pas. Elle est magnifique cette dresseuse. Mon costume était créé par Madame Valériane elle-même. Je saurais m'en montrer digne. Elle est vraiment jolie. On dirait, je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait un genre de concept art ou genre une version avant de comment elle s'appelle, la meuf dans Épée Bouclier là qui est en fan club, qui est trop bien. La meuf Dark là. Putain, comment elle s'appelle? Les gars, est-ce que vous pouvez m'aider dans Épée Bouclier, les gars? La meuf qui est en fan club. Putain, comment elle s'appelle? Rosemary, voilà. On dirait une version Rosemary, elle. On dirait une version de Rosemary. Exactement, Mimir. Kirika, la fille en kimono, veut se battre. Elle vous envoie Deden. Oh bah, Deden. Je voulais écrire 39, by bad, mais je pense qu'il va évoluer au niveau 40. Ah, ok. Ouais, elle est trop jolie, j'aimerais bien la... Ouais, alors, on se calme, Brian, hein. On a déjà eu des gens qui ont décidé de partir en couille il y a quelques jours, c'est pas le moment de recommencer, hein. C'est peut-être sa sœur. Oh, t'imagines, sa petite sœur. Je joue sur quel émulateur? On va y arriver, 1, 2, 3. Je joue sur Citra. Piétisol! Est-ce que ça dégage? J'ai dit qu'elle était jolie, les gars, hein. Si vous vous excitez direct dès le début, là. Quelle bande de chacal. Assumaril. Bah non, garde, hein. Je suis de type plante. Canon graine. Allez, let's go. J'ai installé Citra aujourd'hui, mais sur... Up, down, du coup, je joue aussi à Pokémon Y. Nice! Pokémon X ou Y? X, Aziox. Et let's go, on a battu la première championne. Bah, d'accord, je suis passé encore le L40, mais vu que je suis pas dehors, ça me compte pas comme une évolution. J'ai envie de crever.
Putain, elle est mignonne elle aussi. Elle est jolie. Putain, ils ont tous des tenues sympas. Enfin des putains de tresseuses qui se ressemblent pas tous. Oh, elle est magnifique, mademoiselle. Oh, et elle, elle est majeure en plus. Oh. Magnifique. Très jolie. Très très jolie. On dirait une maman. Ouais, c'est Daron les frères. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Serve the goat. Ah. L'attaque qui baisse beaucoup. On va faire canon graine. Lequel est ton jeu Pokémon préféré? J'en ai plusieurs en fait et je saurais pas lesquels dire. X et Y, Saphir Alpha Ruby Omega, Heart Gold Soul Silver et Noir et Blanc. J'ai un peu les quatre en même temps. Oh, la cochonne elle te charme, t'as vu ça? Let's go hein. Moi je veux bien hein. Charmez-moi mademoiselle, allez-y. Ah, j'adore le système de l'arène où c'est genre une maison, je trouve ça trop stylé. C'est chiant ça, j'ai l'impression que le jeu nous troll MDR. Heartgold, Mama, c'est bon, je préfère. Il est incroyable, Heartgold. Avoue, tu nous as confondus avec des poupées dans cette maison miniature. Par contre, elles font tous des hihihi. Oh, elle est magnifique, elle aussi. Oh, oh, décidément, Trousselin. Oh, let's go. De goat en avant. De goat, piétisol. Piétisol encore une fois. Let's go, ça kill. Dehors, dehors, dehors. Précisé dans la journée, faudrait peut-être modifier l'heure de l'émulateur pour voir l'évolution. Peut-être. Ils sont tous en kimono aussi, normal, c'est vrai. Kirlia. Kirlia, Pokémon de type Psy-Fée. Mais du coup, oui, ça rend normal. On va envoyer du Lundaru. Un jour, tu feras un live combat Pokémon contre les abonnés. Ça va être compliqué, hein, parce que vu que les serveurs n'existent plus, compliqué de faire des combats. À moins qu'on les fasse comment ça va être, le truc qui permet de faire des combats de strat Pokémon, quoi. Taya Durandaru. Oh non, plénitude. Encore une fois, Taya Durandal. Oh merde. Ça va, ça tank, ça tank, ça tank, ça tank. Allez, ça dégage. Grand bulle. Pokémon de type fée normal, on va envoyer Aaron. Qui a hâte à Pokémon Z ici? Bah tout le monde, frérot. Et s'il est bien fait, ça peut être incroyable. S'il est fait comme de la merde, bon, bah, on sera encore déçu comme d'hab. Hein. Méga évolution point boost. Dans Pokémon Bouclier, le deuxième DLC, je l'ai pas terminé. Ah, mais ils sont pas mal pourtant. Le deuxième DLC, il permet de débloquer des trucs bien pourtant. Les chouilles. Ça va. Point boost encore. Point boost encore une fois. Quoi? Les HP! Oh là là! Il y a un autre émulateur où je pourrais jouer à Pokémon. Et mais ça dépend quel jeu tu veux jouer. Oh putain, paralysé. Ok, ça kill. Salut Zorak, ça va? C'est Alan, tu te souviens? Évidemment, Alan, que je m'en souviens! Ouais, alors, Vengeur gars, on va se détendre, s'il te plaît. Ouais, dérapage, oui, un peu beaucoup, là. Hélas, tu n'es pas là pour jouer avec nous. Oh, dommage, j'aurais bien aimé jouer avec vous, les petites poupées, pardon. Oh, elle est jolie, elle aussi.
L'a-t-il fait que nous aimons tant être immunisés contre certains types de capacités? Oh, elle est trop belle! Joséphine! Cap Canaille! Oh putain, oui, c'est lui! Incroyable, Cap Canaille! De Goat Canon Green! Bien joué! Vampy baiser, oh non! Canon Green! Ouais non, celle d'avant était plus canon, mais je suis d'accord, mais c'est pas parce que la meuf d'avant est plus jolie que ça veut dire que forcément celle-là elle est moche, les gars, ça marche pas comme ça. Ah non, celle d'avant était plus jolie. Oui, mais ça veut pas dire que celle-là elle est moche. Oui, mais elle était plus jolie, celle d'avant. Why not. 43, let's go. The God Garlic Cannon, oups, trompé l'univers, c'est ça. Je veux la championne directement. Oh, la championne est magnifique, je suis d'accord. Mais calmez-vous quand même. XY, incroyable, malheureusement, j'ai pas pu venir sur les lives après Saphir Alpha, j'espère que ça va. Mais t'inquiète, Alan, ça va très bien. Et d'ailleurs, si tu veux voir les Pokémon, les lives de Pokémon X, n'hésite pas à venir sur, YouTube. Tu as toutes les rediffs pour l'instant. La dernière rediff qui sort demain, normalement. Ah putain, je peux pas. Ok, va falloir que je fasse un aller-retour. Faut que je me soigne. Durandal évolue à quel niveau? Il évolue avec une pierre nuit pour évoluer en Exagide. T'es pas content, Brian? C'est pareil. Je le ferai. Nice, nice. Allez, on va les soigner et on va l'affronter à la championne. Parce que là, on aura besoin de tous nos Pokémon max PV. Hein. Y'a des gens qui attendent sur le chemin pour te défier. Alors que tu veux pas. Frérot, ouais, c'est la vie. Hein. Je rigole, t'inquiète. Est-ce que je peux voir la team si ça te dérange pas? Ouais, t'inquiète, je vais me soigner et je vous montre la team. Je vous montrerai la team devant la championne. Putain, c'est par où? Par là? Non, je crois que c'est là que je viens. Merde. Oh, le con, je me suis perdu. Merde. C'est vraiment une maison un peu Barbie, ça, hein, j'aime bien. Le délire, ouais, un peu poupée comme ça, je trouve ça trop bon. Trop beau. Tu joues clavier ou joues manette? Voilà, vous avez votre réponse. Depuis quelques temps, je joue manette. Avant, je jouais clavier. Mais maintenant, je joue manette. Je galère pas trop le chat, hein, je galère pas. Hein. Putain de merde de cul. Ah, c'est horrible. Oui, c'est bon, j'ai réussi. Wouh, allez, let's go. Plus qu'à aller se soigner et aller se faire la championne. Hop, voilà. Hop, petite sauvegarde, ça mange pas de pain. Je vais clavier sur l'émulateur qui a l'hérésie. Ça dépend des jeux. Elle se faire la championne, wesh mec. Bah quoi, on va aller se faire la championne, je vois pas où est le problème. Si vous avez des cerveaux baisés, les gars, c'est pas ma faute. Hein. Une huile, ok. Les fangames aussi sont bien. Ouais, c'est pour ça que j'ai hâte de les faire, Alpha Green, je t'avoue. En fait, à la base, je voulais faire un milliard de fangames qui ont l'air incroyables avec plein de nouveaux fake mon, etc. Sauf que je me suis dit, vaut mieux faire d'abord les Pokémon classiques pour qu'entre guillemets, peut-être qu'on puisse rassembler une communauté ensemble et qu'on puisse ensuite proposer, peut-être faire découvrir à d'autres gens qui connaissent Pokémon, peut-être pas les fangames. Donc, du coup, ouais, je me suis dit, on fait d'abord le marathon des jeux classiques, puis les jeux hors série, et après, on fera des fangames, quoi. Je pense que c'est le meilleur call à faire. Il adore se faire des championnes. Ah bah quoi, elles sont magnifiques comme ça, évidemment. Évidemment, les gars. Faut pas être faux cul, hein. Ok, là, normalement, on va tout à droite. Si je dis pas de la merde. Tu as capturé Mewtwo, tu veux faire un des... Où tu veux du défi. Non, en fait, je capturerai Mewtwo, mais je l'utiliserai pas. J'utilise jamais les légendaires, ou très peu. Ok, ça c'est bon. Je sais plus du tout où il faut aller, let's go. Ok, c'est bon, c'est par là.
Il n'y a pas seulement les champions qui m'intéressent à moi non plus, t'inquiète. C'est parti. Sixième championne. Attendez, on se met à côté, papa. Ah, elle prend trop de place avec ses bras. Elle bouge pas, elle reste sur son pic. Hein. Elle, faut lui faire une vengeuse. Bon sang, j'ai raté quoi? Oh, t'as rien raté, Maëlle. Là, on est à la sixième arène. Bonjour, mon petit. Alors, on a réussi à utiliser les transporteurs pour venir jusqu'ici. Bien. Tu vas pouvoir goûter au chic de ma collection Pokémon, le fameux type fée façon Valériane. Le thème cette année, douceur, rondeur et vigueur. Cette question, de quoi ton Toukei et ton Pok... C'est quoi ton Toukei et ton Pokémon préféré? Trop compliqué. Elle est trop belle, elle est magnifique. Miss Dibule. De type acier fée. Ok. Donc techniquement, elle va prendre cher de... du piétisol. Piétisol de goat. Cette championne d'arène est trop belle pour mes deux gars. Ah oui, oui, non, mais elle est incroyable. Faut qu'il dit que let's go. Mur de fer. Qui augmente de combien? De 2 sa défense. Piétisol. Père potion, normalement elle full heal. Normalement je devrais peut-être toujours la two shot. Compliqué quand même. Ah oui, avec plus 2 ça défend bien. Piétisol encore une fois. Machouille. Ça va. Piétisol. Oh non non. Oh chier. Elle va encore utiliser sa potion, fait chier. J'aime bien le mec de type classe. Ah le ouais, mais tous les champions de cette version sont vraiment cool, je trouve. Y a aucun champion qui est vraiment éclaté. C'est ça qui est cool. Un petit coup critique, ça va pas passer là. Pire, booste-toi. Je peux pas me booster les gars, j'ai pas de sort de boost hein. Est-ce que tu peux chevaucher Chevroom? Non, tu peux chevaucher des petits les autres avant. Si, la première championne. Non, la première championne elle est quand même cool. Elle est cool, moi je l'aime bien. Elle est mignonne. Piétisol. Oh, le combat de ça c'est le combat de racaille là. Dis pas ça, tu vas nous porter la poisse pour les champions. Utilise une attaque plante, mais ça sera pas super efficace les gars, ça sera rien. Elle est acier les gars, elle est acier. Vampigraine, non mais c'est pas grave. Monsieur Mime. Psy fée. On envoie du Rondaru. Durandaru, Tayad. Oh, Protec, c'est quoi? C'est pour l'aspect ou c'est pour le physique, Protec? Oh putain, la def normale. J'étais en crush sur le 8ème badge là. Son gros bidon, la miam. Ah ouais. Eh bah écoutez, Mademoiselle Vengeur. Mademoiselle Vengeur qui est en crush sur le bon vieux gros là. Mais qui est stylé, hein. Il a un style. Vous en faites pas, on fait ça prochain tour. Voilà, là on le met en portée de kill, on peut porter sa kill. On peut porter. Voilà, ça dégage. Emilius 45. Avec son manteau là, ouais mais il a trop de flow les gars. Nymphalie. Lui il est fait pur je crois. C'est con, on va envoyer Aaron. Ils ont respecté la France en SSG, ouais je trouve aussi. On va faire point boost. Méga Lucario. Point boost. Éclat magique. Petit coucou avant de commencer mon live, bonne chance pour la reine. Merci Mévoli.
Ah ouais, ah ouais. Ce qui saoule avec Lucario, c'est qu'il n'a pas d'attaque acier. Mais oui, il a pas encore d'attaque acier, il saoule. Ce gil Lucario, c'est efficace, ses attaques faites. Vous préférez quelle mécanique? Les méga évolutions, les gars, c'est la meilleure mécanique qui existe. Nobilius, feu ensorcelé, ensorcelle-moi cette fée. Pas mal. Attaque PBC, let's go. Oh, les dégâts négatifs. Feu ensorcelé encore une fois. Rhinopharyngite, le blast m'a abattu. Ah, mais il est trop bien, Rhinopharyngite. Vous savez quoi? C'est Rhinopharyngite qui va finir le combat. Voilà, vous foutez de sa gueule. Utilise attaque poison, j'en ai pas, mec. Vous avez pas confiance en Rhinopharyngite, vous êtes des connards. Darvenin, Rhino. Fais pas de dégâts. Oh, comment il tank comme un dieu, Darvenin. Oh là là. Oh, c'est drôle, je suis en train de me refaire Pokémon X et Y aussi, meilleur jeu. Mais oui, tellement. On a battu Valeriana championne. J'espère que demain il fera beau. Un beau soleil suffit pour me redonner le sourire. Le super efficace était pas sûr de lui, MDR. Bah après, Darvenin, c'est une attaque à 15 de base power, les gars. C'est pas ouf, hein. Mon petit, tu m'as surprise et crois-moi, c'est une chose rare. Tu mérites ta récompense, le patch nymphe. Ce design est si raffiné, mais sans surcharge. En un mot, sublime, n'est-ce pas? Que suis-je distraite, je me suis laissée encore une fois captiver par sa beauté. Désolé, mon petit. Big Smash, mais tellement. Ce sublime badge nymphe, donc, sa beauté ensorcelle tous les Pokémon jusqu'au niveau 80. Et évidemment, sur Twitch, on va mettre à jour la set du live, parce que Valeriane, si c'est son nom, je crois, éliminé. Mais éliminé avec du plaisir. Et ça, j'achète. Alors, elle me donne quoi? Éclat magique. Ouh, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. On aime, on apprécie. Mince alors. Oui, non, on s'en fout, elle m'explique la capacité. Que penses-tu de mon style? Saisissant ou simplement surnaturel, n'est-ce pas? J'ai dû être Pokémon dans une vie antérieure. C'est ce qui m'inspire mes designs hybrides. Le seul moyen véritable de se sentir Pokémon, ce n'est pas la mode, c'est le combat. Un moment exaltant, où l'imagination est reine, où l'on doit trouver un moyen de... Peu importe, pas besoin de mots, tu m'auras comprise, mon petit, bien sûr. Mais t'as pas obtenu direct toxique en CT? Non, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. C'est X ou Y la mif, c'est X, Owen. Zoragvos. Oh non, c'est... Oh putain. Il te manque combien de matchs? Il m'en manque deux, les gars, c'était la sixième arène, là. Qu'il est beau et tellement brillant, ce badge nymphe. J'allais visiter l'usine de Pokéball. Ça ne durait pas de nous instruire avec... Ça ne vous dirait pas de vous instruire avec moi? Les Pokéball permettent de capturer des Pokémon. Bien sûr que je suis intéressé. En fait, je suis même très excité, si j'ose dire. Oh, le mec, il se branle sur une Pokéball. Ok, let's go. Et ben vous savez qu'on va se laisser là pour cette session de Pokémon X. On aura énormément avancé comme d'habitude. Merci à tous ceux qui ont fait vivre ce stream, qui sont follow, etc. et qui ont soutenu la chaîne. 3 arènes réalisées, c'est énorme. C'était vraiment très sympa. N'hésitez pas comme d'habitude à venir sur Twitch. Le grand écran, 100% des streams, la meilleure qualité de stream et la commune de ouf comme d'habitude. Ou n'hésitez pas à aller sur YouTube pour voir toutes les rediffs des lives pour ne rien rater si vous avez raté un moment ou raté un live directement. On se retrouve d'ici une vingtaine de minutes, même pas, pour le début du mode carrière sur WWE 2K24, le jeu de catch évidemment. On se dit à tout à l'heure, et pour ceux qui regardent Pokémon, à demain pour la suite de Pokémon X, où on fera peut-être la fin des arènes,
Et peut-être que du coup dimanche on terminera Pokémon X. Je ne sais pas, il faudrait être là pour le savoir et pour le découvrir. J'espère que vous serez nombreux comme d'habitude. On se dit à demain, ciao tout le monde. Bye bye.